Alors, donc, bonsoir Franck. Bonsoir Noélie. Comment tu vas, mon frère? Ah bien, très bien. Je pense que depuis ta position. Merci d'avoir accepté justement de partager avec nous ce thème très, très intéressant et important dans l'évolution des développeurs d'applications, administrateurs, systèmes et tous ceux justement qui souhaiteraient embrasser cette carrière-là. Nous tenons à noter que Franck Essé sera celui-là même qui va nous entretenir sur cette session ce soir et il sera amené justement à se présenter, mais je sais que c'est un grand homme qui a fait beaucoup de preuves dans l'écosystème. Et pour la petite anecdote, je l'aime personnellement à cause de justement sa vision qui est très grande, qui emmène justement tous ces jeunes-là qui veulent monter en compétence sur ces sujets, de pouvoir se surpasser, ne pas faire des éléments basiques. Mais je pense qu'avec sa présentation d'abord d'entrée de jeu, il pourra parler des projets sur lesquels justement il a eu à bosser s'il le souhaite. Et même annoncer aussi les projets sur lesquels il avance. Et voilà. Donc, il va se présenter. Il y aura 3 temps, comme on a l'habitude de faire. N'hésitez pas à partager le direct dans votre réseau. Pour ceux qui ne pourront pas nous rejoindre dans la salle Zoom, on pourra justement leur permettre de suivre la même formation, sinon la même session qui est retransmise sur Facebook. Donc, on ne va pas prendre assez de temps. Exactement 21 h de mon côté. Bon, Franck, à toi le micro et puis on y va. OK. Merci beaucoup, Nelly, pour l'introduction. Donc, je suis Franck Tessier, CEO de l'agence Impulse, une agence qui existe depuis 10 ans. On intervient dans le domaine du développement d'applications mobiles, tout ce qui est sécurité cloud, voilà, le web design aussi. On avait plutôt commencé nos activités sur le web design, mais aujourd'hui, on est plus orienté vers des APP, tout ce qui est solution cloud, en fait. Voilà. Donc, c'est un peu ça pour ma présentation. Ma présentation est sur ingénieur réseau télécom de base, voilà, mais je me suis formé beaucoup en développement parce que je suis un passionné des applications mobiles et tout ce qui est cloud en fait. Voilà. Nous allons aborder un thème qui est vraiment d'actualité parce que il est temps que, comme j'ai dit d'habitude, il est temps que l'Afrique se réveille, il est temps qu'on essaie quand même de développer des applications pour tout le monde entier en fait. Voilà. Hein? Pour tout le monde entier. Pour atteindre ce niveau d'industrie des applications mobiles et sites Internet. Je pense qu'aujourd'hui, le thème que nous allons aborder ce soir, c'est un thème vraiment qui va nous permettre de mieux s'organiser, de mieux organiser nos applications, de mieux les lancer. Voilà. Et puis bon, voilà, viser un grand monde. Pourquoi ne pas développer des applications aujourd'hui pour 1 million, 2 millions, 10 millions, 4 milliards, 2 milliards de personnes comme le font Facebook, en fait. Ce n'est pas sorcier. Ce qui nous manque souvent, c'est le DevOps. Voilà. Donc, c'est le thème de ce soir, en fait, le DevOps. Dev et Ops. Voilà. Donc, ce thème-là, ce soir, ensemble, nous allons le parcourir.
Nous allons essayer aussi de débattre sur certaines parties. Il y a la partie pratique aussi. Nous allons ensemble utiliser une solution. Donc, on va parler tout à l'heure Kubernetes, qui va nous permettre de mieux orchestrer nos Docker, tout ça. Voilà. Donc, pour commencer, le thème, c'est DevOps. Voilà, attends, Loli. J'espère que mon écran partagé. Voilà. Noli, j'espère que mon écran est partagé. Vous voyez, Noli, s'il te plaît. Oui, parfaitement. On voit parfaitement. Voilà, super. Ok, super. Ok. Donc, le thème de ce soir, c'est le DevOps. Voilà. DevOps, Blue and Green Deployment avec Kubernetes et Jenkins, en fait. Voilà. Donc, en fait, c'est quoi? C'est un peu tout le process de travail de l'idée d'une application, ça va, de l'idée de la planification, ça va, du codage, des tests, ça va, de la mise en place des releases de certaines versions de l'application et du déploiement, en fait. Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre par ce terme Blue and Green Deployment, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, je prends le cas, par exemple, souvent de Facebook, par exemple. Souvent, Facebook, on est sur l'application et vous êtes là le lendemain, on nous propose une nouvelle version de l'application. Par rapport à certains sites ivoiriens, quand ils doivent faire des mises à jour, on ferme le site. Ils attendent peut-être à 2h du matin. Ils mettent, par exemple, site en cours de maintenance. Le cas, ils prennent son FTP, ils chargent ses fichiers un sur le serveur et automatiquement, le lendemain matin, on a le nouveau site, en fait. Et je pense que cette méthode de travail est révolue, en fait. Voilà. Aujourd'hui, on fait des déploiements à chaud. C'est-à-dire que quoi? Il y a une version bêta de l'application. Il y a une version normale qui est en ligne. Ensuite, il y a une version 2 sur laquelle on travaille. On la teste. Et quand on voit que cette version 2 répond à notre vision, répond à nos aspirations, automatiquement, on la déploie juste en cliquant sur un bouton, en fait. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'on a eu le temps de mettre en place notre politique de DevOps. Voilà. Donc, d'abord, il faut bien comprendre le principe de DevOps, en fait. Parce que ce domaine d'activité-là, il faut bien maîtriser le concept, en fait. Voilà. C'est-à-dire, vous pouvez aller sur le web, prendre des tutos, essayer de travailler automatiquement, mais si vous ne maîtrisez pas les concepts de base, ça sera très compliqué, en fait. Voilà. C'est pour ça qu'on va insister sur chaque élément, chaque outil, chaque concept qu'on va développer. Et à la fin, maintenant, on aura un... Je pense que c'est bien adapté pour nos besoins de nos jours. OK, donc le plan, en première partie, nous allons voir le DevOps. C'est quoi le DevOps? Deuxième partie, Docker et Kubernetes. On ne peut pas parler de Kubernetes sans parler de Docker. Ensuite, la troisième partie, nous allons voir un cas pratique, Amazon Web Services, EKS, ECR, CloudFormation. Donc, dans cette troisième partie, là, en fait, c'est quoi? C'est de déployer une application de poste local du développeur. Quand il fait un git, quand il fait un push au niveau de sa branche automatiquement, toutes les configurations qu'il y a au niveau de Jenkins, tout ce qu'il y a comme pipeline, tout ce qu'il y a comme stage, tout ça, jusqu'à la création de l'image, push de l'image sur le Docker Hub, et du Docker Hub maintenant, déployer cette image-là au niveau de Kubernetes. Donc, cette session-là sera purement pratique. Voilà. Donc, la troisième partie aussi, la quatrième partie, déployer une application avec Kubernetes. Là, ça sera encore plus avancé. Ça va? Et ensuite, dans la dernière partie maintenant, ça sera l'intégration de Jenkins en CICD et déployer avec le Blue and Green Deployment, mais surtout les N. Donc, ce qui veut dire que notre session peut-être sera en deux ou trois parties, parce que c'est un peu long, en fait. Voilà, c'est un peu long. Voilà. Donc, voici ce dont souvent on est confronté dans les entreprises. Souvent, il y a des conflits entre les développeurs et les ops. Ça, c'est récurrent. Les développeurs finissent son application, soit qu'ils tournent sur PHP, soit peut-être qu'ils utilisent la Laravel. En local, ils testent. Et quand l'administrateur prend le code source avec tout le monde qu'il faut, qui passe en déploiement, souvent ça bug. Et on ne sait pas qui est responsable, parce que le développeur dit ça fonctionne sur moi. Mais le ops dit, mais lui aussi, tout est normal chez lui, mais ça ne fonctionne pas. Donc, on ne sait pas à qui est responsable du non-fonctionnement de l'application. Ça va? Donc, aujourd'hui, le DevOps est là pour régler tous ces soucis, en fait. Ça va? Et il faut comprendre que le DevOps vient un peu de l'industrie de l'automobile, en fait. Parce que Ford a été le premier constructeur automobile qui a eu l'idée de mettre en place une politique, soit une stratégie, mais un process de création des véhicules, en fait. Si vous avez remarqué que la
chaque robot qui joue son rôle. Il y a des robots qui montrent le moteur, il y a des robots qui montrent la carrosserie de la voiture, il y a des robots qui montrent le châssis. Et à la fin, on rassemble tous ces éléments-là, on a une voiture, en fait. Donc, on dit que fabriquer une Mercedes, par exemple, une Ford, c'est le même process que tous les véhicules vont suivre, en fait. Donc, c'est la même chose avec les... qui nous permet réellement d'atteindre nos objectifs, d'être sûr de la qualité de notre travail et de déployer plus rapidement et d'être plus compétitif sur le marché, en fait. Voilà, c'est un peu ça, en fait. Donc, pour résoudre tous ces conflits entre développeurs et Ops, Ops, quand on parle de Ops, c'est tout ce qui est Amstrad System, ceux qui gèrent les serveurs, les systèmes, tout ce qui est sécurité et cloud, ce sont les Ops, et les devs, ce sont les développeurs. Donc, le DevOps sera un peu notre lien, quoi. Voilà. Donc, stratégie DevOps. En réalité, dans l'industrie des applications et des sites Internet, quand on parle de stratégie DevOps, c'est quoi? On parle souvent de continuous development. Ça va? Continuous testing, continuous integration, continuous deployment, continuous monitoring, en fait. Voilà. Donc, ce qui veut dire quoi? D'abord, le niveau 1, on passe d'abord à la planification de notre application. On a l'idée. Ça va? En 2, on code. En 3, quand on finit de coder, bon, lors de la programmation de l'application, ça va, on essaie de faire des pulls, ça va, on essaie de faire des bouts de code, on les teste. Une fois qu'on a suivi les tests maintenant, on passe maintenant à l'intégration qui est le déploiement. Donc, quand on a fini de déployer maintenant, on essaie quand même de gérer notre plateforme et ensuite, maintenant, on essaie quand même de faire un monitoring pour voir comment l'application se comporte, s'il y a des bugs, si les serveurs montent en charge. Il y a tous ces éléments qu'on essaie de voir dans le DevOps. Donc, souvent, pas de CI, Continuous Integration, ça va, et souvent si on parle de CD, Continuous Deployment, en fait. J'ai mon application, je continue de coder, je continue de faire des mises à jour, ça va, et au niveau du déploiement, c'est quoi? Plus on code, plus on fait des mises à jour, plus on push, automatiquement la plateforme doit être capable de prendre notre code là, tester ce code, créer une version bêta de ce code là, d'abord déjà, tester l'application si c'est bon, avant maintenant de déployer, en fait. Donc c'est tout un process de travail, en fait, voilà, qui nous permet réellement d'avoir un site, soit une application de qualité, en fait. Voilà. C'est un peu ça, en fait. Donc, déjà, quand on est spécialiste en DevOps, il y a des outils que nous allons utiliser pour travailler, en fait. Voilà. Donc, au niveau de la planification, vous allez voir qu'on utilise Git, il y a Jira, mais il y a Git qui est beaucoup utilisé, qui est le site de versioning que tout le monde connaît, avec un système distribué, ça va. Ensuite, on a notre code, on a notre éditeur, vous allez voir, on intègre tout simplement à l'intérieur, on va saisir notre code. Ensuite, on a des outils qui nous permettent de pouvoir créer des releases de notre application. On a Marvel, Gradle et d'autres, ça va. Et on a aussi des outils pour faire des tests. Ce n'est pas tous les outils qui sont là, hein, c'est juste des exemples, en fait. Si vous tapez sur Google, vous allez voir que vous aurez plus. Il y a beaucoup d'outils, en fait. Il y a assez d'outils. On ne peut pas dire que celui-là est mieux que l'autre, mais chacun se sent plus à l'aise. Voilà. Ensuite, maintenant, au niveau du déploiement, on a Docker. Tout à l'heure, on va en parler. On a Kubernetes, on a Puppet, ça va. On a Ansible, il y en a d'autres, ça va. Et au niveau du monitoring, maintenant, on a Nidios, Stack et autres. Voilà. Donc, pour quelqu'un qui veut faire du DevOps, en réalité, pour quelqu'un qui est profane, qui veut commencer du DevOps, ça va. C'est tous ces outils-là qu'il faut utiliser. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque niveau, on a des outils qu'on utilise. À chaque niveau DevOps, au niveau de la planification, il y a des outils. Au niveau du codage, il y a des outils. Au niveau du build, il y a des outils, ça va. Au niveau du test, il y a des outils. Au niveau du déploiement, il y a des outils. Au niveau de l'opérette, il y a des outils. Et puis au niveau du monitoring, il y a des outils. Vous allez voir que tout ça au milieu maintenant, il faut un logiciel, une plateforme pour pouvoir orchestrer toutes ces actions-là déjà. Voilà. C'est ce qu'on appelle des outils de CI/CD, des CI et CD. Donc, Jenkins, vous voyez Jenkins en bas, il y a Bamboo et puis il y a Hudson. Mais nous, celui qu'on va utiliser, c'est Jenkins, en fait, parce que il est bon. Il est open source et puis bon, il a assez de plugins vraiment intéressants qui nous permettent de travailler, en fait. Voilà. Donc, ici, c'est quoi? C'est un peu en détail les différentes étapes du DevOps. Donc, au niveau de la planification, ça va. Donc là, on essaie de. Voici tous les logiciels qu'on va utiliser. On peut utiliser soit Drive, Box, Trello. En fait, c'est des plateformes collaboratives. Hein, voilà. C'est purement organisationnel. On a l'idée, on veut travailler en équipe. Voilà, on essaie de donner des tâches à chacun. Donc, ces logiciels nous permettent déjà, à la première étape de la planification, de mieux travailler en équipe, en fait. Voilà. Ensuite, au niveau du codage, il n'y a rien à vous apprendre. Hein. Codage avec les éditeurs. Il y a Eclipse, il y a VS Code, il y en a plusieurs. Il y a Git qu'on peut intégrer dans nos éditeurs, voilà, qui va nous permettre de mieux travailler, de pousser
notre code aussi, nos différentes branches, ça va. Et le but, en fait, voilà. Donc, le but, c'est quoi? L'idée, c'est que à chaque niveau de codage, on est capable de créer une version de release de notre application, en fait. Voilà. Et nous, ce qu'on va faire, c'est que ce qu'il faut retenir là, c'est que à partir de là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des couches, par exemple, sur nos différentes branches. À partir de là, nous allons mettre un système en place pour créer maintenant des images de notre application. Quand on va avancer devant, vous allez comprendre. Parce que l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que on veut utiliser des conteneurs pour travailler, en fait. Donc, quand on veut utiliser des conteneurs pour travailler, il y a une manière de travailler, il y a une méthodologie de travail, en fait. Voilà. Je vais utiliser des conteneurs, même en local, je vais utiliser des conteneurs pour travailler, ça va. Mais avant de déployer un conteneur, vous allez voir qu'il y a des process à suivre avant d'arriver sur le serveur de production, en fait. Donc, ce qui veut dire que quand on va faire notre code, quand on va essayer de pousser nos différentes versions sur notre branche et qu'à partir de cette branche, on essaie de mettre en place des releases des différentes versions de l'application, vous allez comprendre qu'à la fin de tout ça, c'est d'avoir une image. C'est cette image qui nous permet de pouvoir conteneuriser notre application. En fait. Donc, arriver un peu devant, on va bien étudier le concept de conteneur. C'est quoi? Parce qu'il faut bien comprendre. Si vous ne comprenez pas ça, ça sera très compliqué, en fait. Voilà. Ensuite, il y a la partie test. Je pense qu'à ce sujet-là, je ne vais pas trop m'aventurer là-dessus parce qu'on a eu une collègue qui a eu à faire un direct sur la page. Voilà. Elle a vraiment parlé de qualité de code, tout ça. Donc, ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on fait des bouts de code, il faut les tester. Hein. On les teste, il y a des outils pour ça, en fait. Voilà. Pour être sûr de la qualité de notre code, en fait. Souvent, il y a des développeurs qui sautent cette partie-là, mais je pense qu'elle est très importante si on veut avoir un code de qualité, en fait. Voilà. Voilà. Donc, en fait, maintenant, le release, c'est quoi? On est, c'est cette phase qui nous permet d'intégrer le code et de le partager maintenant sur le repo. C'est ce qu'elle disait en haut, là. Je ne vais pas en parler en haut, mais ici, c'est plus détaillé, en fait. Voilà. Donc, pour pouvoir mettre en place tout ce process de release, là, vous allez voir que nous, on va utiliser Jenkins. Ça va être Jenkins qu'on va travailler. Donc, dans la deuxième partie de notre séminaire, de notre formation, vous allez comprendre qu'on va mieux expliquer Jenkins, en fait. Voilà, parce que c'est lui qui sera l'élément déclencheur. C'est à partir de lui, à partir d'un push, qu'on va récupérer les éléments. On va dire, OK, au niveau, par exemple, de la production, au niveau, par exemple, des stages, voilà ce qu'on veut comme élément. C'est là qu'on va définir nos différents pipelines. Et dans chaque pipeline, nous allons définir nos actions. Voilà. Et c'est Jenkins qui permet de pouvoir gérer tout ça. Le code arrive. On peut tester le code, voilà, on teste le code, on peut créer une version bêta, on essaie de mettre des conditions, de voir si c'est bon. Si les conditions sont respectées, automatiquement, on peut passer à la version de déploiement. Donc, Jenkins va nous permettre vraiment de gérer tous ces aspects-là, en fait. Voilà. Voilà. Ensuite, la partie opération, voilà. Donc, la partie opération, c'est quoi? C'est que maintenant, il va falloir qu'on déploie notre place dans un cloud, en fait. Voilà. On déploie notre place dans un cloud. On va la surveiller au niveau du monitoring. Voilà, on va la surveiller, voir comment la plateforme tourne, le logiciel tourne. Est-ce qu'il y a des bugs? Est-ce qu'il y a des montées en charge sur le serveur? Est-ce qu'il y a tel conteneur qui prend plus de ressources? Il y a tous ces éléments vraiment qu'il faut gérer au niveau du monitoring. C'est très, très important cette partie. En fait. Voilà. Donc, le Git, je n'ai pas besoin de vous dire, tout le monde connaît le Git. Hein, voilà. Il permet à plusieurs développeurs de pouvoir travailler ensemble puisque là, une plateforme de. Il y a un système de versionnage distribué. Donc, on peut être multi développeur puis travailler sur le même projet, quoi, voilà, avec différentes branches, tout ça. Mais au niveau de Jenkins, on va bien détailler ces éléments-là déjà. C'est-à-dire, au niveau de Jenkins, comment créer plusieurs branches? On peut, par exemple, créer la branche, par exemple, je peux appeler ça comment, stage, par exemple, et puis la branche pod. Voilà. Et définir les actions qu'on peut mener au niveau de stage et définir les actions qu'on peut gérer au niveau de la branche master, justement, qu'on appelle la branche de production, en fait. Voilà. Donc, Jenkins, c'est ça. Ça sera notre outil d'intégration continue. Voilà. Ça va nous permettre de gérer tout ce processus-là déjà. Voilà. Code, build, test, deploy, opérer des monitors. Donc, Jenkins, ça sera l'outil et notre épi dorsale pour pouvoir gérer tous ces aspects, en fait. Donc, il est très intéressant. Je pense que lui, ça, on va l'étudier en deuxième partie parce que si vous avez bien compris Jenkins, franchement, je pense qu'en termes de déploiement, en termes de cloud, vraiment, vous n'avez pas de problème, en fait. Voilà. Donc, on ne peut pas parler de DevOps sans parler de Docker. Ça va. Donc, c'est une technologie qui est sortie, je pense, dans les années 2013-2014. Ça va. Donc, on voit un peu en fait, c'est un peu l'exemple d'un bateau. Hein. Vous voyez, dans les bateaux, on a des conteneurs. Et dans chaque conteneur, on a différents types de produits. On peut avoir des conteneurs de tomates, des conteneurs de voitures, des conteneurs de télévisions, même si souvent, on a tendance à mélanger. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est l'organigramme qu'on a dans un bateau qu'on a au bout des Docker, en fait. Voilà, pour le monde Docker. Donc, c'est des outils qui nous permettent de pouvoir créer, déployer et lancer des applications en utilisant des conteneurs. Ça va? Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que on fait notre code, ça va? On va
créer une image et cette image va continuer à faire le code source de l'application. Elle va contenir toutes les librairies qu'il faut pour que l'application puisse fonctionner et tous les processus qu'il faut aussi pour que l'application puisse fonctionner. Donc, tout ça sera dans une image. Et c'est avec cette image-là, maintenant, qu'on va démarrer un conteneur, parce que le conteneur, c'est un peu comme la virtualisation. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est que la virtualisation au niveau de Docker, elle est légère, en fait. C'est-à-dire, ceux qui disaient, viens voir avant, c'est quoi? Quand on veut virtualiser, par exemple, un service, il faut installer l'OS, puis déployer le service. Ce qui est intéressant avec le Docker, c'est que quoi? On a un seul noyau, ça va, et il ne virtualise que tous les éléments dont l'application a besoin pour pouvoir démarrer, en fait. C'est ce qui fait qu'on a une virtualisation très légère. Voilà, ça va. Et avec le Docker, on peut tout faire. On développe, on peut tester, et on peut aussi déployer des applications avec le Docker. C'est pour ça qu'on dit qu'aujourd'hui, nous, jeunes Ivoiriens, si réellement on veut développer des applications pour atteindre des niveaux des cas de Twitter, Facebook, Google et autres, il faut comprendre qu'il faudrait qu'on arrive vraiment à bien maîtriser les Docker. C'est bien beau d'utiliser en local, on a fini notre application, mais comment on la déploie? Ça, c'est la question qu'on se pose au fait. Voilà. Ça va? Donc, il y a au niveau de Docker, on a ce qu'on appelle le Docker Hub, on va voir tout à l'heure. Ça va? Donc ici, en fait, c'est un peu... le process, hein, c'est-à-dire qu'on a notre code qui est là. Donc, dans notre code, on a un fichier qu'on appelle le Dockerfile, dans lequel nous allons déclarer tous les conteneurs dont on a besoin et tous les bibliothèques dont on a besoin pour notre application. Tout, ça va. Ce code-là, on va le pousser dans ce hub, qui est là, dans le hub. Le hub, en fait, c'est quoi? C'est un cloud qui va stocker nos différentes images, en fait. Voilà. Et une fois que l'image est sur le hub maintenant, ça dépend de moi, je vais soit l'utiliser pour faire un staging ou soit automatiquement utiliser l'image pour aller en production, en fait. Voilà. Donc, c'est vraiment très... très intéressant, en fait. Donc, voici un peu la mise en place d'un DevOps avec un site e-commerce, en fait. Donc, Git, le gars, il vient, il poule. Quand il a poulé automatiquement, Jenkins reprend l'élément, puisque à partir d'ici, on a essayé de mettre en place une politique de CI/CD, voilà, intégration continue et déploiement continu, ça va. Automatiquement, lui, on va dire à Jenkins, une fois qu'on a poulé là, il faut me créer l'image. Cette image-là, automatiquement, on va la mettre au niveau du Docker Hub. Ça va. Et si maintenant, on veut déployer une application, on a juste à démarrer des conteneurs avec comment dire, les différentes images sont dans le Docker Hub. Donc, vous voyez que pour un site e-commerce, normalement, peut-être que vous avez PHP, peut-être que vous avez MySQL, peut-être que vous avez le serveur Nginx ou bien Apache qui démarre. Donc, tous ces éléments seront dans des conteneurs. Vous voyez? Tous ces éléments seront dans des conteneurs. Et ce sera, ces éléments seront des images qui sont stockées sur le Docker Hub. Et moi, si je veux réellement pousser, utiliser une application, je n'ai qu'à démarrer ces différents conteneurs-là sur, voilà, ces images-là sur mon conteneur. Donc, il y a un élément qui est très important qu'il faut bien maîtriser, c'est le Dockerfile. Voilà, le Dockerfile, parce que c'est lui qui nous permet de faire la déclaration des différents conteneurs que notre application va utiliser, en fait. Mais on va mieux utiliser le Dockerfile dans le TP. Voilà, parce que le TP que je prépare pour la deuxième partie, c'est que j'ai mon code. Comment d'abord dockeriser mon application en local, ça va. Ensuite, au niveau de GitHub, comment je crée mes différentes branches, comment je fais mes configurations, comment coupler GitHub à Jenkins pour mettre en place une politique de CI/CD, et ensuite maintenant, comment dire à Jenkins pousser l'image de mon application sur le hub, et ensuite maintenant, comment dire maintenant à Jenkins maintenant, lorsque je fais un déploiement soit avec Kubernetes, ça va, ou bien soit avec Google Cloud, récupérer l'image et lancer mon application en production. Donc, ce fichier, le Dockerfile, est très, très important, en fait. Voilà. Si vous êtes un développeur que vous ne maîtrisez pas comment créer un Dockerfile, mais comment dockeriser son application, ça sera très compliqué, en fait, parce que c'est le point de départ, en fait. Voilà. C'est le point de départ. Ensuite, il y a un outil qu'on appelle Docker Compose, qu'on va voir tout à l'heure. Voilà. Docker Compose, en fait, c'est quoi? C'est que il nous permet par exemple de pouvoir configurer et lancer nos applications avec multiples conteneurs, en fait, avec plusieurs conteneurs. Donc, c'est-à-dire que quoi? Si par exemple j'ai une application qui tourne par exemple sur WordPress, vous voyez que WordPress, il y a bien de Nginx, il y a bien de PHP, j'ai bien de MySQL, bien de MariaDB. Vous voyez que là, ça me fait 3 conteneurs. Donc, avec Docker Compose, je peux déclarer tous ces conteneurs-là déjà. Et une fois que je tape la commande Docker Compose, hop, automatiquement, il va me démarrer tous ces 3 conteneurs, vous verrez votre site internet au niveau de votre navigateur, en fait. Voilà. Donc, à partir d'aujourd'hui, il faut penser conteneur. Voilà. Voilà. Donc, ça aussi, c'est un exemple.
Voilà, un exemple. Voilà, les développeurs sont là. On fait des builds pratiquement tout le temps. Quand on fait des builds, automatiquement, Jenkins nous crée une image. Ça va. Et au niveau du déploiement continu, c'est qu'au niveau de Kubernetes et Ansible, automatiquement, voilà, on récupère l'image et on fait le déploiement, en fait. Voilà. Donc, ici, ce que je vais expliquer, c'est que c'est bien beau d'utiliser les tokens locaux. Voici la question que souvent qu'on se pose, en fait. J'ai une application, par exemple, qui tourne en PHP, qu'on a dit tout à l'heure. J'ai PHP qui va tourner sur un conteneur. J'ai Nginx qui va tourner sur un conteneur. J'ai MySQL qui va tourner sur un conteneur. Ça va? Et je peux avoir d'autres modules qui tournent sur d'autres conteneurs. Donc, ici, prenons un exemple qu'on a trois conteneurs qui tournent, en fait. La question que je me pose, comment je fais communiquer les trois conteneurs? C'est vrai qu'en haut, on a vu qu'il y a un outil qui nous permet de pouvoir gérer tout ça. Mais la deuxième question que je me pose aussi, si parmi ces trois conteneurs, il y a un conteneur qui est en panne, comment je fais pour régler cette panne? Ensuite, une question que je me pose, si mon application a des pics, par exemple, et que les requêtes PHP sont énormes et que je sollicite beaucoup mon serveur Nginx, ça va? Comment je peux créer, comment je peux gérer ce cas-là, en fait? Voilà. Parce que c'est ça aussi. Parce que n'oubliez pas que des applications qui ont du gros trafic, c'est-à-dire que quoi? On a beaucoup de visiteurs sur notre site Internet. À 8, on va avoir 1 million de visiteurs. À midi, on a 3 millions, on a 4 millions. Avec le docker, la question que je me pose, comment je peux créer de nouveaux conteneurs pour pouvoir supporter toute cette charge, en fait? Ça, c'est la question qu'on se pose ici. Ça va? Ensuite, si un docker, si un conteneur tombe en panne, ça va? Comment je le répare? Est-ce que je le crée? Je vais recréer un nouveau conteneur? Qu'est-ce que je fais, en fait? Voilà. Donc, la véritable question, mon application qui a été gérée avec des conteneurs en local, comment je mets en place une politique pour pouvoir déployer tous ces éléments, en fait? Voilà. Donc, Dieu merci, Google a eu l'idée, sincèrement, de créer ce qu'on appelle un orchestrateur, en fait. Parce que quand vous voulez gérer 10, 20, 40, 50, 100 docker, conteneurs, pardon, à un moment, il faut un orchestrateur, en fait. Ça va? Il y en a plusieurs, ça va? Mais celui qui est plus répandu, celui qui a une plus forte communauté, celui vraiment qui est... Moi, je l'adore, qui est aimé par tout le monde, c'est Kubernetes, en fait. C'est un orchestrateur, en fait. Voilà. Lui va vous permettre de pouvoir gérer vos conteneurs. Ça va? Il va vous permettre de pouvoir gérer ce qu'on appelle la scalabilité, parce que c'est un élément qui est très important aujourd'hui. En fait. Si vous ne privatisez pas la scalabilité horizontale, vous aurez un problème. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sites Internet qui sont encore au niveau de la scalabilité verticale. La scalabilité verticale, c'est que quoi? On mise plus sur les ressources du serveur, en fait. Ça va? Alors que la scalabilité horizontale, on va essayer quand même de dupliquer plusieurs fois le même service, mais la même instance, pour que les nombreuses requêtes à être supportées par notre application, en fait. Voilà. C'est ce qui est intéressant, en fait. Donc, ça veut dire que quoi? S'il y a un serveur Nginx qui tourne sur un conteneur et que le serveur, on croit qu'il y a un pic qui l'a beaucoup sollicité, automatiquement, Kubernetes peut virtualiser au moins 6-7 serveurs pour pouvoir gérer tout ce monde-là. Et le soir, lorsqu'on n'a plus le pic, automatiquement, il détruit les serveurs qui ne sont plus utilisés, automatiquement, et ça tourne. Voilà. C'est ce qui est intéressant avec ça. En fait, tout est géré de manière automatique, en fait. Voilà. Tout est géré de manière automatique, en fait. Donc, Kubernetes, voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est avec ça, ça va, c'est que le développeur n'a plus besoin de s'occuper de l'infrastructure, en fait. Vous faites votre code, touchez sur votre branche, Jenkins va essayer de gérer ce qu'il y a à gérer, et au niveau du déploiement, Kubernetes gère le reste, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment extraordinaire, vous allez comprendre. On va commencer à faire des démos, vous allez voir qu'aujourd'hui, pour mettre en place une plateforme, un serveur scalable, et un serveur avec une politique de haute disponibilité, c'est-à-dire que quoi, votre service doit être disponible 24 heures, ça va. Ces outils-là, vraiment, nous facilitent la vie, en fait. Avant, c'était difficile, mais aujourd'hui, avec ces outils-là, c'est très facile, surtout dans le cloud. Mais ce qui est intéressant, ce qui est un peu amer, c'est qu'à la fin, vous allez payer. Hein, votre facture sera salée. C'est un peu ça dans le cloud. Mais ce qui est intéressant dans le cloud, c'est que vous payez ce que vous consommez, en fait. Voilà. Donc, on dit, cela permet aux développeurs professionnels d'informatique de créer et de déployer des applications plus rapidement, plus sécurisées. Et puis, la contrôlisation offre des avantages. Isolation, portabilité, agilité, évolutivité et contrôle du workflow de cycle de vie d'une application, en fait. Donc, une application qui a été mise dans des conteneurs, automatiquement, cette application, je peux la déployer partout. OK. Donc, voilà. Ici, maintenant, on voit un peu la différence entre un conteneur
et puis une machine virtuelle, en fait. Vous voyez? Vous voyez qu'au niveau de la machine virtuelle, on a l'hyperviseur, mais on a chaque VM qui a son système d'exploitation. Or, ce qui est intéressant dans les conteneurs, vous voyez qu'ici, on a un seul OS, on a le moteur du conteneur qui est là, et vous voyez qu'ici, vous voyez, au niveau du juge des conteneurs, on a juste besoin de notre application et des dépendances. Ce qui fait que les conteneurs sont plus légers que les machines virtuelles, en fait. Voilà. Mais il y a des gens, il y a des hébergeurs, des gens quoi, qui utilisent encore les machines virtuelles. Ce n'est pas obsolète, hein, les gens l'utilisent toujours. Mais ce qui est intéressant avec les conteneurs, c'est que c'est plus léger. Et surtout avec cette politique de microservices, je pense que les conteneurs sont mieux adaptés pour quelqu'un qui fait des applications en microservices, en fait. Donc, DevOps, Kubernetes, le voilà. Orchestrateur le plus populaire pour la gestion des conteneurs. Donc, je reprends encore. L'orchestrateur va me permettre de quoi gérer mes conteneurs, les détruire, créer de nouveaux conteneurs. S'il y a des pics, il peut les gérer de manière automatique. Je peux allouer des ressources. Tout ce qu'il y a envie de faire, Kubernetes me permet de le faire. Voilà. Ça va? Donc, il y en a juste plusieurs. Il y en a plusieurs. Hein. Voilà. Il y a Docker Swarm, qui est l'orchestrateur de Docker. Il y a Kubernetes. Il y a Rancher, que j'adore beaucoup. Ça va? Il y a Red Hat aussi, qui a son système qui s'appelle OpenShift, qui est très, très, très compatible avec Kubernetes. Peut-être qu'à la longue, on aura le temps de faire un workshop là-dessus. C'est très bon. Ça va? Donc, il y en a plusieurs. Ce n'est pas le seul. Mais les gens adorent Kubernetes parce que, un, c'est Google. Deux, c'est open source. Parce que dites-vous que Google, le gros moteur de recherche et tous les services de Google tournent sur Kubernetes, en fait. Voilà. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de conteneurs qui sont virtualisés par jour pour pouvoir supporter toutes ces charges qu'on a sur Google. Voilà. Vous allez voir que tous les géants utilisent la même politique, que ce soit Facebook, Twitter, TikTok, tous les géants du web utilisent cette technologie-là, en fait, de conteneurs et d'orchestrateurs. Voilà. C'est vraiment extraordinaire, en fait. Donc, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que, vous voyez, là, on a Kubernetes qui est là, ça va, et en même temps, là, on a les différents noyaux, en fait. Les différents noyaux. Donc, devant ici. Donc, on dit quoi? Kubernetes est un système open source conçu pour l'automatisation du déploiement, la mise à l'échelle et la gestion des applications de conteneurs. Vous voyez? Donc, il permet de faire quoi? De gérer et faire communiquer plusieurs clusters dans un cloud privé ou public. On va voir tout à l'heure. Quand on va avancer, on va voir ce qu'est un cluster. On va voir ce qu'est un cloud privé, un cloud public. Voilà. Donc, ici, on me dit quoi? Qu'un cluster gère une flotte de machines physiques ou virtuelles. Donc, devant, on va mieux définir ces termes-là déjà. Donc, un orchestrateur, c'est quoi? Il me permet de créer des services applicatifs sur plusieurs conteneurs. Ça va? Donc, je prends toujours un site tout sur WordPress. Ça va? J'ai mon PHP qui sera sur un conteneur. J'ai mon serveur Nginx qui sera sur un conteneur. Il y a WordPress qui sera sur un conteneur. Et puis, il y a MySQL qui sera sur un conteneur. Et à un moment, il faut faire communiquer tous ces éléments-là déjà. Ensuite, ce qui est bien avec les orchestrateurs, c'est que je peux planifier leur exécution dans un cluster. Je peux décider que tel élément, tel conteneur tourne dans tel cluster à tel moment, tel élément tourne ici, telle ressource, j'ai diminué la valeur de telle ressource, je peux manipuler tous mes conteneurs comme je veux, en fait. Voilà. Tout part de la politique que je vais mettre en place, en fait. Parce que le plus dur aujourd'hui, c'est quoi? Comment on essaie de mettre en place une politique de C et CD, surtout au niveau du déploiement, en fait. Comment je fais ma planification au niveau du déploiement? Comment je choisis mes ressources? Ça va? Pour que j'ai quand même une version minimum de l'application lorsqu'elle tourne. Et s'il y a des pics, je mets en place cette politique pour que mon cluster puisse supporter tous ces pics-là qui viendront sur le niveau de ma production. Donc, avec l'orchestrateur, on peut gérer tous ces éléments-là déjà. Vous allez voir. Donc, on peut aussi garantir l'intégrité de l'application. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est ça. C'est que si, par exemple, vous avez déployé une version de votre application, une version 2 à 8h, 1 minute, et qu'elle déconne, à 8h02, vous pouvez faire un rollback et revenir sur la seule version avec une seule commande. C'est ce qui est intéressant aussi lorsqu'on a un système d'orchestration en place. Okay. Et ensuite, en même temps, elle me permet aussi de gérer ce qu'on appelle le monitoring. Suivez ma plateforme, suivez la consommation de mes ressources, surveillez le cycle de vie de mes conteneurs, en fait. Ça aussi, c'est important. Le cycle de vie d'un conteneur. Un conteneur le crée, il tourne, on peut le scaler, ça va? On peut créer d'autres encore conteneurs pour venir aider le service à tourner, ça va? Donc, on peut aussi les détruire. Comme il peut se détruire, mais ce qui est intéressant avec Kubernetes, c'est qu'il a un système qu'on appelle auto-scalabilité. C'est que lui-même, là, on n'a plus besoin de s'occuper. Lui-même, il réfléchit. S'il y a un service qui tombe automatiquement, lui-même, il va virtualiser un nouveau conteneur
et démarrer l'image automatiquement dans le service tout 24 heures sur 24 heures. Donc, c'est cette politique-là que tous les géants utilisent. Hein. Tous les géants du web utilisent cette politique-là réellement pour que leur application soit disponible 24 heures sur 24 heures. Voilà. Donc, c'est ce qu'il disait. Le développeur n'a plus besoin de s'occuper de l'infrastructure. C'est-à-dire que vous, ce qui vous intéresse, c'est votre contexte d'exécution et votre application. Tout le reste est géré par Kubernetes. L'OS, le serveur, le stockage et le réseau. Tout est géré par Kubernetes, en fait. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec Kubernetes, on peut définir notre politique de déploiement dans un fichier. Automatiquement, il exécute tout. Et voilà, on n'a plus rien à avoir. Donc, il faut bien comprendre la politique au niveau de Kubernetes. Kubernetes est composé de deux éléments, en fait. Ça va? Au départ, on a ce qu'on appelle un nœud master. Le master, c'est, si on veut voir, c'est le maître. C'est lui qui va gérer tous les éléments de Kubernetes. Donc, on a le master et on a les nodes. Ça va? C'est ce qu'on appelle souvent, vous entendez le mot worker node. Ça va? Un node, c'est quoi? C'est un ordinateur ou bien soit c'est une machine virtuelle. Voilà. Ça va? Et ensuite, maintenant, dans les nodes, vous allez voir qu'on a les pods. Les pods, c'est l'unité qui permet de démarrer un conteneur ou soit plusieurs conteneurs. Donc, si vous voulez, un pod, c'est un conteneur ou plusieurs conteneurs. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est qu'on a le Kubernetes Master qui va nous permettre de pouvoir gérer tous ces nodes-là automatiquement. Donc, à partir de là, vous allez voir que devant, on aura un API qui va nous permettre de pouvoir gérer tous ces éléments déjà. Donc, on a le Master qui est là. Automatiquement, on a le node. Et tout l'ensemble qui est là va composer ce qu'on appelle un cluster. En fait, considérez un peu comme votre cluster, un peu comme peut-être votre petit data center. Dans le cluster, là, on a des nodes, non? Les nodes, là, c'est vos serveurs, c'est vos ordinateurs. Et sur les nodes, là, on a des pods. C'est-à-dire qu'on a maintenant des conteneurs, des machines qu'on peut virtualiser sur vos différents serveurs, en fait. Voilà. Donc, le master lui-même permet de pouvoir gérer tous ces environnements, hein, déjà. Donc, à partir du master, on pourra saisir des commandes, on pourra donner des instructions, on peut dire, OK, il faut migrer de vos nodes. Ou bien, si un node tombe, si un nœud tombe, automatiquement, il faut remplacer ce nœud-là, déjà. Voilà. Donc, c'est le master vraiment qui permet de gérer toute l'infrastructure de Kubernetes, en fait. Voilà. Donc, ici, le nœud maître fait référence à un ensemble de processus gérant l'état du cluster. Donc, je reviens encore, le cluster, c'est ça. C'est tout cet ensemble-là. Tout cet ensemble-là qui est votre cluster. Voilà. Donc, le nœud maître qui correspond, qui comprend le composant Kubernetes, qui contrôle le cluster. Voilà. Donc, je reprends encore, votre cluster, c'est votre petit data center où se trouvent les nodes. Les nodes, c'est vos serveurs physiques ou virtuels. Dans les nodes, vous avez les peuples. Donc, le nœud maître va nous permettre de pouvoir gérer l'état de notre cluster, la configuration de notre cluster. Voilà. Donc, à l'intérieur du nœud, les composants de base de Kubernetes gèrent l'important travail de s'assurer que vos conteneurs fonctionnent en nombre suffisant avec toutes les ressources. Vous voyez un peu le rôle du master. C'est ce que nous, dans le jargon, on appelle le master, en fait. Voilà, le master. Kubernetes master. Voilà. Donc, lui, on dit quoi? Je reviens encore sur cette définition, elle est très importante. Il permet de gérer l'important travail de s'assurer que vos conteneurs fonctionnent en nombre suffisant avec toutes les ressources, en fait. Voilà. C'est là où on voit un peu vraiment l'intelligence de notre prestataire. Ensuite, j'ai expliqué tout à l'heure le node, ça va? Donc, Kubernetes exécute vos charges de travail en plaçant des conteneurs dans des pods qui s'exécutent sur des nodes. Voilà. Sur des nœuds. Voilà. Donc, un nœud peut être une machine virtuelle ou physique, selon le cluster. Donc, si vous parlez de node maintenant, qui dit node, parce qu'après, on va taper des commandes, ça va. Si vous parlez de node, automatiquement, dites-vous que ah, le node, là, soit c'est une machine physique ou une machine virtuelle qui se trouve dans le cluster. Voilà. Donc, chaque nœud contient les services nécessaires à l'exécution de notre pod. Voilà. Ensuite, dans notre pod, les pods permettent de lancer les conteneurs Docker. Les conteneurs sont regroupés en pods, unités d'opération de base de Kubernetes qui se mettent à l'échelle selon l'état souhaité. Les conteneurs du même pod possèdent le même réseau, IP et port, et les mêmes volumes, en fait. Donc, voilà. Donc, tous les pods qui se trouvent, tous les conteneurs qui se trouvent, parce qu'un pod, c'est quoi? Un pod, c'est un conteneur ou plusieurs conteneurs. Donc, un conteneur. Donc, si j'ai deux ou trois conteneurs sur le même pod, ce qui est intéressant, c'est que ces trois conteneurs-là partagent la même interface réseau et partagent les mêmes unités de stockage, en fait. Donc, c'est ce qu'on appelle les volumes. Donc, ensuite, maintenant, on a ce qu'on appelle le ETCD. Vous allez voir ça dans la documentation, ça va. C'est en fait, c'est un peu comme une base de données, hein, voilà, mais qui stocke les données en format JSON, en fait. C'est-à-dire que toutes les actions qu'on va mener au niveau du master pour pouvoir gérer nos différents nœuds, toutes ces valeurs-là sont stockées dans une base de données, voilà, en format JSON, valeur et clé, en fait. Voilà.
Donc, et ici maintenant, vous allez voir un peu la magie des conteneurs. On a dit quoi? Qu'on a plusieurs conteneurs qu'on veut gérer avec Kubernetes. Et avec Kubernetes, voilà, qu'on a le master, ça va, et qu'on a notre cluster. Donc, j'imagine que notre node 2 est en panne. Il tombe. Il y a un problème. Vous savez ce que Kubernetes va faire? Automatiquement, tous les pods qui sont à l'intérieur de ce node-là, il va les créer au niveau du node 1 pour que le service soit toujours disponible. Donc, ça, en réalité, c'est comme si vous avez un serveur qui est en panne. Ce serveur-là, en réalité, il avait des services. Donc, ces services-là, comme il est intelligent, automatiquement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va démarrer, créer ces services-là sur un autre node, en fait, pour que la plateforme soit disponible 24 heures sur 24 heures. Donc, c'est ce qu'on appelle la scalabilité horizontale. C'est-à-dire, on prend un service, si ce service soit il tombe, ou bien soit si ce service est saturé, automatiquement, on crée d'autres instances pour venir soutenir ce service-là déjà. C'est ce qui est intéressant avec la scalabilité horizontale, en fait. Ça va? Ou en même temps, ça implique et ça induit sur notre politique de haute disponibilité. Quand on prenait Facebook, le site est disponible 24 heures sur 24 heures. Si à 8 heures, on a 1 million de connectés, vous allez voir qu'il y a des conteneurs qui sont là pour supporter 1 million de personnes connectées. Si à midi, on a 12 millions, le système va virtualiser encore des services pour créer des instants pour pouvoir supporter 12 millions de personnes. Si à 20 heures, on a 3 personnes, vous allez voir qu'il va détruire tous les conteneurs qui sont inutiles et laisser un conteneur pour pouvoir supporter 3 personnes. C'est ce qui est intéressant, en fait. C'est ce qui est intéressant avec le cloud, en fait. Voilà. C'est-à-dire, je crée des ressources pour mes besoins à un instant T. Si à un instant T plus 1, je vois que j'ai besoin plus de ressources, le système automatiquement va me créer des ressources pour supporter nos charges, en fait. Regardez un peu les gens qui ont lancé un système avec nos hébergeurs classiques, là, déjà. Ça va? Le gars, il déploie un site Internet. Il a un seul serveur Apache et puis il a une seule base de données. On voit ça souvent des sites internet, c'était que bon, je sais pas fait de publicité. Mais le point, c'est que quand il y a des pics, quand il y a beaucoup de personnes sur la plateforme, automatiquement, le site plante, ça tombe en panne. C'est parce qu'en réalité, en place, ils n'ont pas mis une politique de haute disponibilité et ils n'ont pas mis en place une politique de scalabilité, en fait. C'est ce qui est compliqué, en fait. Et dans le temps, il y avait des outils pour les gérer. Mais ce qui est intéressant, lorsque vous utilisez des Docker pour tourner vos applications en local comme en production, ce qui est intéressant, c'est qu'en production, lorsqu'il y a une panne, lorsqu'un service tombe en panne, lorsqu'un service n'est plus disponible, automatiquement, le système crée de nouvelles instances de ces services-là pour que ces services-là soient disponibles 24 sur 24 heures. Si à une certaine heure, on n'a plus besoin de ces services-là, qu'on a besoin d'une seule instance, il y a toutes les autres instances. Voilà. C'est ce qui est intéressant. Donc, pour des gens qui veulent vraiment faire du DevOps, c'est des gens vraiment qui veulent développer des applications à haut trafic pour viser du monde, je pense que c'est des notions que vous devez bien maîtriser, en fait. Voilà. Vous devez bien maîtriser, en fait. Donc, le scaling, c'est voilà, création de même instance du service afin de supporter la charge principale. Voilà. Donc, voilà un peu ça, en fait. Donc, vous voyez ici, par exemple, on a un client. Parce qu'au niveau de Kubernetes, quand on va avancer, on va voir ce qu'on appelle des services, en fait. On fait le service, c'est le service qui va permettre de pouvoir avoir accès à nos serveurs, à nos pods, en interne comme en externe, en fait. Donc, on a un client qui indexe notre serveur web. Vous voyez qu'ici, on a 3 nodes et on a des pods à l'intérieur. Dans chaque pod, on a un serveur web, ça s'appelle Index. Donc, automatiquement, ce qui est intéressant, c'est que là, on essaie de voir déjà qu'avec Kubernetes et ses services, on a une politique de load balancing en place. Tout à l'heure, quand on va installer sur notre poste, vous allez comprendre qu'on peut créer 3 serveurs Nginx qui tournent sur des pods. Quand le client fait une requête pour indexer notre serveur web, automatiquement, le système fait le load balancing pour lui donner le serveur qui est mieux disponible à répondre à sa requête, en fait. Donc, même site Internet, là, il est là. Il est sur une image. L'image contient mon site. Ça va? Au niveau, par exemple, de mon serveur web, Nginx, c'est mon PHP qui tourne ici. Ça va? Et automatiquement, si Nginx tourne ici, automatiquement, lorsqu'il y a une requête, il y a un système de load balancing au niveau du serveur maintenant qui va router la requête vers le serveur qui est mieux disponible à exécuter la requête de l'utilisateur. La même chose aussi au niveau des bases de données. Vous voyez qu'on a une base de données ici, on a une base de données là. Donc, quand une requête vient automatiquement, il y a un système de dispatching. Donc, vous voyez, déjà avec Kubernetes, déjà dans sa politique, ils intègrent ce qu'on appelle le load balancing. Voilà. Donc, quand on parle de scalabilité, c'est vrai que scalabilité, on va créer des services pour pouvoir supporter les charges. Mais en même temps aussi, on ne doit pas oublier le mot haute disponibilité. Donc, qui parle de haute disponibilité, parle de disponibilité de mon service 24 sur 24 heures. Et en même temps aussi, il parle aussi de quoi? D'un système de load balancing. C'est très important. Très, très important le load balancing, en fait. Voilà. Donc, ici, le service au niveau de Kubernetes, c'est un moyen qui permet d'accéder à nos pods. Ça va? Donc, le service est responsable
C'est le service qui permet, par exemple, d'avoir accès en interne comme en externe à nos pods. Vous êtes d'accord avec moi que si des pods veulent communiquer avec d'autres pods, c'est ce service-là qui pourra nous permettre de pouvoir faire cette communication. Si nous aussi, en externe, on est sur Internet, qu'on veut communiquer avec des pods sur notre cluster, automatiquement, c'est ce service-là qui permet de pouvoir gérer tout ça, en fait. Voilà. Donc, ici, c'est kubectl API. Kubectl API, l'idée, c'est quoi? C'est que, à partir de mon poste client, j'arrive à envoyer, à donner des ordres, envoyer toutes sortes de requêtes, toutes sortes d'ordres au master. Ça va? Et le master maintenant, comme c'est le master qui va gérer tous les nodes de notre cluster, ça va? Automatiquement, les requêtes seront exécutées. Je peux lui dire, par exemple, de me créer trois pods. Je peux lui dire, par exemple, de me faire de ce qu'on appelle des replica sets au niveau de la scalabilité, par exemple. Je peux lui dire, par exemple, de me détruire un pod, en fait. Vous voyez, c'est l'API là qui permet de pouvoir gérer tout ça, en fait. Donc, c'est le master, vraiment. On a vu le rôle du master. Hein. On a dit que le master permet de gérer quoi? Les nodes. Ça va? Et les nodes avec les pods. Donc, à partir de l'API sur votre ordinateur, tout à l'heure qu'on va installer, vous allez voir qu'on va taper des commandes. Et ces commandes-là seront gérées par le master. Et c'est le master maintenant qui va exécuter ces commandes-là au niveau des différents nodes qu'on a, en fait. Voilà. Donc, une formation de Kubernetes, on ne peut pas la faire en une heure, en deux heures. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la documentation, vous allez voir qu'il y a beaucoup de ressources, en fait, qui sont très importantes. Et j'ai listé ici les namespaces. Ça va? Les namespaces. Vous allez voir que quand vous allez vouloir faire du déploiement, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait des déploiements déclaratifs, en fait. C'est-à-dire, je prends un fichier de type YAML. Là-dedans, je spécifie tout ce que je veux dans mon cluster, le nom de pod que je veux, les images que je veux. Je mets des fichiers et automatiquement, ce fichier-là, je le charge au niveau de Kubernetes et il emploie automatiquement ma politique de déploiement, en fait. Voilà. C'est-à-dire que dans un fichier YAML, là, je fais des déclarations et ces déclarations sont appliquées et ces déclarations s'exécutent dans mon cluster, en fait. Donc, il y a des notions qu'il faut bien maîtriser. Parce que si vous ne maîtrisez pas, ça sera très, très compliqué pour vous de mettre en place une politique de déploiement au niveau de Kubernetes. Il faut maîtriser les namespaces, le pod, ça va. Bon, le secret, vous pouvez laisser tomber pour le moment d'abord. Ce qu'on appelle le persistent volume aussi, c'est important. Ça va. Le replica set, c'est important, parce que c'est lui qui permet de pouvoir mettre en place notre politique de scalabilité. Le déploiement, on a Ingress aussi qui est bon, ça va, surtout au niveau des DNS. Et puis le service qu'on a vu tout à l'heure, en fait. Voilà. Ça. Donc, j'ai mis le lien ici, ceux qui auront le document après pour aller sur ce site-là pour mieux lire ces différentes ressources-là déjà. Voilà. Donc, pratique 1, ça va? Je fais un petit résumé rapidement, hein. Ça va? C'est qu'on a dit quoi? Le DevOps me permet de mettre en place une politique d'intégration continue et de déploiement continu. Et l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que j'ai mon application qui tourne sur le continent en local. Comment le faire tourner sur un cloud? Donc, vous êtes d'accord avec moi qu'au niveau du cloud, on a ce qu'on appelle des clouds publics. Ça va? On a des leaders dans ce domaine. On a Amazon, on a Google, voilà. On a Google, on a Red Hat, qui est une plateforme aussi de cloud. On a IBM. Donc, si moi, par exemple, moi, j'aime beaucoup travailler avec Amazon, ça va? Donc, de ma machine locale, avec mon application qui est dans des conteneurs, comment je déploie cette application-là sur un public cloud qui est Amazon, en fait? Ça va? Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que de mon éditeur, de mon GitHub, je tombe sur ma plateforme Jenkins. Jenkins, je mets en place ma pipeline. Une fois que je vais mettre dans ma pipeline, je dis à Jenkins, OK, à chaque fois que quelqu'un fait un pull, automatiquement, crée une image que tu stockes sur Hub. Donc, au niveau du Hub, on a Docker Hub, par exemple. Et cette image-là, déjà, je la récupère et je la fais tourner maintenant sur des Docker. Et ça, maintenant, c'est le rôle maintenant du Kubernetes. Kubernetes va faire tourner nos différents nodes dans de notre cluster. Automatiquement, Kubernetes va gérer de manière automatique la scalabilité et la redisponibilité des différents conteneurs, puisqu'il gère le cycle de vie de nos conteneurs. Mais Kubernetes ne peut pas travailler seul. On a une API qui s'appelle kubectl, qui va nous permettre, nous, de mettre en place une politique de déploiement avec le fichier YAML. Et dans ce fichier YAML-là, automatiquement, Kubernetes va récupérer ce fichier et exécuter les instructions qui sont dans ce fichier-là déjà. Donc, ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il permet de gérer plusieurs Docker, et en même temps, de manière, ça rend un peu paresseux, je dois, si mon application a des pics au niveau de mon serveur, automatiquement, il les gère automatiquement, il va créer des instances pour pouvoir supporter tout ça, et s'il n'y a rien, et que je suis dans une où il n'y a pas de pics, automatiquement, mon serveur revient, mon cluster revient à un état normal. C'est ce qui est intéressant, en fait, avec Kubernetes, en fait. Donc, pour pouvoir, d'abord, on va d'abord le tester parce que c'est nouveau, il y a des gens qui n'ont jamais pratiqué, il sait qu'il y a des gens qui pratiquent déjà.
Mais déjà, on va d'abord l'utiliser en local. Comment utiliser Kubernetes en local? Ça va? Donc, pour l'utiliser en local, il va falloir que... Ça va? Voilà. L'utilisation local, on va utiliser ce qu'on appelle Docker Desktop. Excusez-moi. Voilà. Voilà, on va utiliser Docker Desktop. Moi, j'utilise Mac. Hein. Donc, sur les Mac, nous, par exemple, c'est Docker Desktop for Mac, en fait. Voilà, on va installer ce logiciel-là. Quand vous avez installé ce logiciel-là, logiquement, en fait, le téléchargement et l'installation prend beaucoup de temps, en fait. Moi, je l'ai déjà sur mon ordinateur. Voilà. Donc, si vous êtes en Windows, vous pouvez aller sur Windows, vous allez sur le site, et de la manière, en fonction de ton site d'exploitation, il te redirige, en fait. Vous téléchargez et vous installez. Ça va? Et n'oubliez pas aussi de créer votre compte sur Docker. Voilà. Vous créez votre compte. Vous créez votre compte sur Docker. Donc, quand vous allez l'installer, automatiquement, vous allez avoir cette icône-là chez vous. Ça. Vous lancez. Je vais lancer rapidement. Excusez-moi. Voilà. Dashboard. Donc, on ne peut pas parler de Kubernetes sans parler de Docker. On ne peut pas parler de Kubernetes sans parler de Docker. On a dit quoi? Lui, c'est un orchestrateur de Docker, en fait. De conteneurs, pardonnez, de conteneurs. Il orchestre, il gère les conteneurs. Donc, il s'appuie sur Docker. Donc, si vous n'avez pas Docker, vous ne pouvez pas utiliser Kubernetes, en fait. Donc, pour des gens vraiment qui aimeraient bien se former dans ce domaine-là, déjà, le premier conseil que je vous donne d'abord, c'est d'abord de commencer par Docker, en fait. Vous commencez par Docker. Comment utiliser Docker? Comment installer Docker? Comment créer des conteneurs? Donc, tous ces éléments-là, déjà, vous pouvez bien les utiliser si vous maîtrisez bien Docker, en fait. Voilà. Donc, ici, laissez-moi, je démarre rapidement. Donc, une fois que vous avez installé, vous avez cette interface-là déjà. Vous venez dans... Ok, donc je pense que il va nous revenir avec un, il y a certainement un problème. Dashboard. De... Ok, on n'a pas entendu. Ça plantait. En fait, c'est la connexion en fait, la connexion déconne un peu. Attends, donne-moi 2 minutes s'il vous plaît, 2 minutes. Ok. 2 minutes, voilà. Allô? Allô?
Alors, en attendant que Franck nous reprenne en marche, on va déjà sélectionner des questions. En attendant qu'il nous prenne, on va sélectionner des questions. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Et puis, voilà. Ok, ton micro est muté, ton micro est coupé, Franck. Ouais, en fait, il y a quelqu'un qui m'a appelé sur le téléphone. Ok, on continue. Ok, donc excusez-moi, c'est un souci de connexion là. Voilà, donc le temps que je partage mon écran, excusez-moi, voilà. Voilà, donc je disais, on ne peut pas parler de Kubernetes sans parler de Docker. Les deux vont de pair en fait. Voilà. Donc avant d'utiliser Kubernetes, il faut d'abord, si vous l'utilisez en local, il faut d'abord avoir Docker. Donc j'ai dit, pour pouvoir utiliser Docker en local, il faut utiliser Docker Desktop en fait. Voilà, c'est cette version qui me permet, je la télécharge sur le site de Docker, sur docker.com, ça va, et je l'installe sur mon ordinateur. Quand j'ai fini de l'installer, vous aurez cette interface-là déjà. Chez moi, je suis Mac, hein. Donc vous voyez, il y a cette interface-là, j'ai tous les éléments, voilà. Donc ce que je vais faire, voilà, je vais carrément, voilà. Bon, ce qu'on va faire, parce que si je veux l'installer, ça prend du temps. Logiquement, quand vous venez dans les paramètres, vous allez voir Kubernetes. Ça va? Par défaut, il n'est pas activé. Hein. Par défaut, il n'est pas activé. Parce qu'une fois que vous installez Docker, normalement, en haut, ceux qui sont sur Mac, ou bien vous allez voir Docker Desktop is running. Ce qui veut dire que Docker tourne. Mais généralement, vous allez voir que Kubernetes is not starting. C'est-à-dire que Kubernetes n'est pas démarré. Par défaut, lorsque vous faites l'installation. Parce qu'une fois que vous installez, que vous vous loguez avec vos paramètres que vous avez créés sur docker.com, ça va? Automatiquement, vous venez sur le logiciel, vous mettez vos paramètres et vous allez avoir cette interface-là déjà. Il y a d'abord cette interface qui s'affiche, mais sur Mac, par exemple, on a cette petite icône. En haut, on a Docker Run. Docker Desktop is running, c'est-à-dire que Docker tourne. Et en bas, si vous faites, par défaut, ces configurations ne sont pas activées. Hein. Vous les activez et vous faites apply and restart. Automatiquement, vous allez attendre pendant quelques minutes et vous allez voir que Kubernetes is running, ce qui veut dire que Docker tourne, Kubernetes tourne. Donc automatiquement, on peut commencer à travailler. Ça va. Mais n'oubliez pas, notre première mission, c'est quoi? C'est que on veut mettre nos applications dans nos conteneurs, en fait. Et ces applications-là, on veut maintenant, puisque j'ai 10, 20, 3, 4, 50 Docker, conteneurs qui tournent sur ma machine, ou même soit sur mon serveur en production, ou même dans mon cloud, Kubernetes me permet de pouvoir gérer toute cette infrastructure en fait. Voilà, ça va. Donc, on va dans l'invite de commande. Et pour l'installation, pour ce TP-là, c'est en local. Le deuxième TP qui sera dans la deuxième partie, ben, c'est très long. Peut-être qu'on risque de le faire peut-être en deux ou trois parties. Et peut-être voir peut-être nos lits pour qu'on installe ce qu'on appelle la maîtrise de DevOps. Parce qu'il y a tellement de techno à voir. C'est qu'on peut installer Kubernetes dans un cloud public. Hein. Ça, c'est le deuxième essai. C'est-à-dire quoi? Sur Amazon Web Service, je prends ce qu'on appelle une instance EC2
Une S1 S2, c'est une machine virtuelle, voilà, Elastic Cloud Computer, au niveau d'Amazon. Et sur cette machine-là, je peux installer Kubernetes. Ça va? Et à partir de là, maintenant, une fois que cette machine est installée, vous allez voir que j'ai mon master qui s'est installé sur cette machine déjà. Donc, avec le master plus l'API kubectl, ça me permet maintenant de voir maintenant mettre en place ma politique de déploiement. C'est-à-dire le nombre de machines que je veux, le nombre de nodes que je veux, le nombre de conteneurs que je veux, où se trouvent les images, le nombre de réplicas, toutes les ressources sont gérées par Kubernetes, je peux les déclarer avec un fichier YAML qu'on va voir un peu devant. Mais ici, l'exercice, c'est quoi? Comment l'installer en local? Ça va? Comment l'installer en local? Et ensuite, maintenant, comment l'utiliser? Pour voir les commandes de base. Ça va? Et ce qui est intéressant, quand vous installez Docker Desktop, il vient avec Kubernetes, il vient avec par défaut, mais sauf qu'il n'est pas activé. Donc, pour l'activer, c'est ce qui est dit tout à l'heure. Vous venez dans les paramètres de référence, vous cliquez sur Kubernetes. Vous allez voir Enable Kubernetes, Deploy Stocker Stack pour Kubernetes by default, Ensure System Container Advanced. Vous faites Deploy and Restart et en haut, vous allez voir Docker is running et Kubernetes is running. Si c'est OK, à partir de là, maintenant, on peut commencer à travailler maintenant. Voilà. Donc, là, par exemple, je peux essayer de voir, je vais parler sur Docker, ceux qui ont le temps. On peut voir kubectl. Kubectl, en fait, c'est quoi? C'est la commande. La commande de l'API qui me permet de donner les instructions au master qui va les appliquer sur les différents nodes, le worker node en fait, ce qu'on appelle souvent les nodes esclaves. Donc, on va voir la version. Kubectl client, excusez-moi, hein, souvent. Donc, je vais voir quelque chose. Si ça tourne déjà, kubectl, excusez-moi, je vais voir Getpod. Très bien. Getpod. OK, il n'y a pas de ressources. Kube, ça marche. Kubectl. Excusez-moi, c'est des commandes pour tester, pour voir si tout est là. OK, ça marche bien. OK. Donc, je reviens dans le document. Voilà. Donc, pour l'installer sur votre PC, vous partez sur ce lien-là, ça va? Vous prenez ce lien-là, vous téléchargez votre version, c'est Mac, mais vous pouvez l'installer. Ensuite, en deux, vous partez sur docker.com, le site de Docker, vous créez un compte. Et en trois, vous connectez votre compte à Docker Desktop, ça va? Ensuite, maintenant, configurer et activer Kubernetes sur Docker Desktop. C'est ce qui est écrit tout à l'heure. Vous partez dans les paramètres, vous activez, en fait. Voilà. Ah, OK, excusez-moi, la commande, c'est moi qui ai dû inverser. Excusez-moi. Donc, pour voir la version, c'est kubectl. CTL version, excusez-moi, j'ai fait l'inverse au fait, tiret client, voilà. Donc voilà, quand vous voyez, quand vous tapez cette commande kubectl tiret client, automatiquement vous avez votre version ici, hein. Voilà, la version de votre Kubernetes au fait, voilà. La date d'installation, tout est là, voilà. Donc à partir de là maintenant, donc la première commande qu'on a tapée, c'est la commande qui permet de voir la version de Kubernetes. Maintenant, n'oubliez pas qu'avec Kubernetes, on va gérer notre cluster. Notre cluster, c'est toute l'infrastructure, hein, de nos serveurs, de notre stack de production, en fait. Voilà. Donc, j'ai dit quoi? Dans le cluster, on a le master, on a vu ça, et dans le master, maintenant, on a ce qu'on appelle le worker node. On a les nodes. Le node, c'est quoi? C'est un serveur virtuel ou physique. Et dans le node, on a le pod. Le pod, c'est quoi? C'est une unité de conteneur ou bien de plusieurs conteneurs, en fait. Donc, la deuxième commande, lorsqu'on travaille sur Kubernetes, lorsque vous avez fini votre installation, on a tapé la version kubectl, version directe client. Et maintenant, vous tapez cette commande à kubectl. Bon, il a fait combien pour aller plus vite, hein? Voilà, parce que là, si maintenant qu'on perd le temps, voilà. Voilà. Voyez, non? Kubectl cluster info nous donne des informations sur notre cluster, en fait. Il dit quoi? Le Kubernetes master tourne sur ce port-là, déjà, sur ce lien-là. Et le cube DNS, voilà, c'est un service DNS de Kubernetes. Voilà, on va le voir après. Au moins, on ne va pas trop s'emmêler. Donc, déjà, mon master tourne. Cette commande me permet de voir que mon master tourne, en fait. Donc, je n'ai pas de cluster actuellement. Non, j'ai mon cluster qui est là. Mon cluster, c'est l'endroit où doivent être mes ordinateurs, mes data centers. Mais je n'ai rien à l'intérieur. Je n'ai pas de node, je n'ai pas de pod. Ça va? Et un pod, c'est quoi? On a dit qu'un pod, c'est un conteneur sur lequel tout est service. Donc, nous, notre premier pod qu'on va gérer, on va gérer un conteneur
qui tourne avec MDX, par exemple. Vous connaissez tous ces serveurs. MDX, qui est un serveur web, qui interprète le langage PHP. Donc, ce serveur MDX-là, si je veux l'utiliser, par exemple, le fait tournant local, pour pouvoir développer ou bien pouvoir travailler, donc, on va le lancer sur un pod. Mais n'oubliez pas que le MDX-là, il va fonctionner avec Docker, puisqu'on va prendre une image sur le Docker Hub de NDX qu'on va intégrer dans notre pod. Ce qui veut dire, la prochaine étape, comment lancer son premier pod. Comment lancer son premier pod. Voilà. Donc, pour pouvoir lancer un premier pod, vous avez deux choix. Soit vous utilisez la commande kubectl run, ça va. Ou soit vous utilisez la commande kubectl create deployment index-index. Je pense que ça, c'est plus intéressant. Kube, donc j'ai fait copier-coller, je vais expliquer. Donc, n'oubliez pas que quoi, dans un cluster, on veut déployer des services en fait. Et nous, le seul service, le moins comme on n'est pas encore fort et qu'on commence, le seul service que nous voulons démarrer, c'est index dans un conteneur. C'est ce qu'on veut utiliser. Donc, qu'est-ce que je dis? Je dis à Kubernetes, avec l'API kubectl, kubectl, create deployment, je donne un nom à mon déploiement, vous donnez le nom que vous voulez. Si vous mettez mon serveur web 1, vous mettez le nom de votre enfant, ou même si vous mettez votre nom, ça, ce n'est pas un problème. Ici, c'est la nomenclature que vous voulez. Tiret, tiret, image égale index. Là, maintenant que le Docker intervient. Parce que n'oubliez pas que je suis le Docker 1. Parce que c'est important, hein, tout ce qu'on fait aujourd'hui là, c'est que c'est les Docker qu'on veut utiliser, c'est les conteneurs qu'on veut utiliser. Et les conteneurs ne fonctionnent qu'avec des images. Ça va? Et on a dit quoi? Une image, c'est quoi? Ça peut être votre code. Une image, ça peut être un système d'exploitation. Une image, ça peut être. Vous voyez? Ça peut être tout. Ça peut être une base de MySQL, ça peut être Oracle, ça peut être. Je dis quoi? Excusez-moi. @gmail.com. Donc, la notion d'image, c'est ça. Une image, c'est comme on a dit, une image, ça peut être un système d'exploitation, une image, ça peut être une base de données, une image, ça peut être votre PHP, une image, ça peut être tout type d'application, en fait. Ça va? Donc, le Docker Hub, par exemple, bon, c'est pas grave si je me fais. Le Docker Hub, par exemple, me permet, par exemple, que si je veux utiliser un conteneur avec NDX, je vais sur le Docker Hub, voilà, je tombe sur l'image NDX. Ça va? Et automatiquement, si je veux l'utiliser, je fais copier, je vais dans mon conteneur, je le lance. Voilà, ça, c'est si j'utilisais Docker. Mais ici, j'utilise Kubernetes, en fait. Donc, ce que je vais faire ici, c'est quoi? Je reviens sur la commande. Je copie cette commande-là. Bon, sudo, c'est passé en mode route. Voilà. Vous voyez, kubectl, create, deployment, le nom de votre déploiement que vous voulez, tiret, image égale à index. Donc, dans ce déploiement-là, on va lancer au moins un pod. Ça va? Donc, une fois que je valide, il me dit quoi? Deployment, app, index created. Donc, mon déploiement a été créé. Donc, si le déploiement index a été créé, ça, c'est le nom que j'ai donné, automatiquement, je peux aller voir les pods qui tournent actuellement. Donc, je fais kubectl get pod. Vous voyez que dans ce déploiement-là, on a un seul pod qui tourne. On a un seul pod qui tourne. Vous voyez, il met kubectl get pod me permet de voir les pods qui tournent. On n'oublie pas qu'on a dit quoi? Un pod, c'est quoi? C'est un conteneur ou plusieurs conteneurs. Alors qu'ici, nous, on a un seul conteneur. Donc, le nom de notre pod, c'est ça. Indique ça avec les tirets qui sont là. Ça va? Ensuite, il y a un seul pod sur un qui tourne et il tourne depuis 20 secondes. Ça va? Il n'a jamais été redémarré en fait. Donc, on vient d'écrire notre pod. Il y a une autre commande encore. Je pense que ça doit être kubectl. Kubectl. Describe. Pour avoir plus d'informations sur votre pod, describe pod. Le nom de votre pod ici, vous mettez là, ça. Voilà. Coller. Voilà, vous voyez ici, j'ai plus d'informations sur mon pod, en fait. Vous voyez, il a été créé, il a démarré le mercredi à 22h50. Ça va. Le label qu'il utilise, c'est le NDX. Son adresse IP. Ça va, vous voyez, un peu de tout. Même les images qu'il a utilisées, vous voyez, ici, vous voyez, l'image Docker qu'il a utilisée.
le conteneur, l'ID du conteneur. Ici, vous voyez, le index là qu'on a utilisé ici, là, c'est le index qui se trouve sur le Docker Hub, en fait, puisque vous avez été Kubernetes qui travaille avec Docker. Vous voyez, vous avez tout type d'informations ici, en fait. Voilà. Tout type d'informations. Quand vous tapez la commande, kubectl get pod, en fait. Voilà. Donc, kubectl get pod permet d'avoir la liste des pods, en fait. Maintenant, n'oubliez pas que le index, là, c'est un serveur, il tourne. C'est un conteneur. C'est que nous, vous, normalement, en temps normal, c'est-à-dire que dans la vieille école, là, si je veux installer un serveur Nginx, il faut que j'aille d'abord télécharger Ubuntu. J'ai attaché Ubuntu, un système Linux. Maintenant, j'ai installé maintenant Apache. Comment dire Nginx, mais Apache. Alors qu'ici, vous voyez qu'avec la virtualisation avec des conteneurs, je ne suis même pas fatigué. Le système n'a démarré que les processus et l'élément dont j'ai besoin, en fait. Maintenant, comme c'est un serveur, n'oubliez pas que le code, là, c'est un conteneur. Le conteneur, c'est une instance qui tourne. Hein? Donc, du coup, je peux me connecter là-dessus. Donc, pour pouvoir me connecter, je tape kubectl exec, menti i, c'est-à-dire qu'il va rentrer chez le serveur en ligne de commande. Et ici, vous mettez le nom de votre pod. Mais d'abord, ici, donc le nom de pod, c'est quoi? Nginx. Attendez, je vais prendre le nom de mon pod. Voilà. Vous voyez le nom ici? Voilà. Le name du pod. Voilà. OK. Vous voyez, j'ai tapé la commande kubectl ti, le nom de votre pod. Vous tapez la commande getpod pour avoir ce name là, vous venez automatiquement. Là, je suis sur mon serveur. Ça va. Je suis sur mon serveur, je tape la commande ls, moi l. Vous voyez, j'ai tout. J'ai tous ces fichiers. Mais si je tape ls, vous allez mieux voir. J'ai tous ces fichiers là déjà. Donc, cd, user, share, ça va. Ls, je peux aller dans le dossier. CD excusez-moi, je cherche le dossier rapidement, je vais le retrouver. Il est où? GBD Java Info. Excusez-moi, je cherche le dossier là rapidement. Voilà, CD Nginx. En fait, je veux rentrer dans le dossier de publication de Nginx, en fait. Voilà, et CD HTML. Voilà. Ça va, si je tape LS, voyez. On a le fichier index.html. En fait, c'est le dossier de publication de Nginx que vous voulez voir. Vous voyez qu'à l'intérieur, il y a deux fichiers. J'ai 50x.html et puis j'ai l'index qui est la racine qui est index.html. En fait. Ça va? Donc, notre pod tourne. Et vous voyez qu'avec cette commande-là, c'est un serveur. Je peux me connecter et manipuler tout ce que j'ai envie de m'appeler en ligne de commande. C'est-à-dire qu'il faut avoir un bon background en Linux pour sinon vous ne pouvez pas. Ça va? OK. Donc, je vais taper la commande exit, je sors. Donc, notre pod est créé. Maintenant, l'idée, c'est quoi? Il faut maintenant exposer ce service à un port pour avoir accès. Ça va? Donc, on va créer ce qu'on appelle un service, en fait. Je veux dire quoi? Le service est un moyen qui permet à mes pods de pouvoir accéder à mes pods avec une adresse IP et un port. Donc, pour pouvoir créer ce service-là, on va utiliser la commande kubectl create service node port. Nginx, ça va? Ça, c'est le nom que vous avez donné à votre service, le nom que vous avez donné à votre service. Et ici, maintenant, moins TCP, le type de service, TCP, le port 8080. Donc, je viens, je fais copier, je colle. Automatiquement, le service est créé, en fait. Ça va? Le service est créé. Maintenant, la question que je me pose, comment je fais pour avoir accès à ce serveur Nginx-là? Parce que n'oubliez pas que vous voulez taper l'URL, mais l'adresse IP de votre serveur-là, de votre pod-là, dans un navigateur pour pouvoir voir la page d'accueil de Nginx. Mais, l'élément qui me permettait de le faire, c'est le service. Donc, avec cette commande qu'on vient de taper, on lui a dit, OK, démarre mon pod Nginx sur le port 8080. Ça va? Maintenant, on va taper une commande, kubectl, ça va, get service. Donc, moi, j'ai abrogé get service pour me get SVC. Donc, il dit, ici, c'est quoi? Vous voyez ici, on a mon Nginx là qui tourne. Le type, il tourne sur un port avec une adresse IP. Voici son adresse IP qui est là. Ici, c'est-à-dire que tous les pods du même node qui veulent communiquer ensemble, là, vous utilisez le port 80. Maintenant, si nous, qui sommes externes à ce node-là, on veut communiquer avec notre pod qui est là, on va utiliser le port 30516 qui génère de manière automatique, en fait. Donc, logiquement, pour avoir accès, on tape l'adresse IP de notre master. Bon, comment en local? Normalement, ça doit être... C'est localhost, hein?
Donc, logiquement, si je fais local host 2.2 points que je mets le port, logiquement, vous voyez, je tombe sur comment dirais-je, mon serveur index qui est là, pas identifié de mon serveur index qui est là. Donc, je résume. L'idée, c'est que quoi? On vient de créer notre premier port. On a créé notre port. Ensuite, quand on a créé notre port là, automatiquement, on a démarré un service et on a dit au service de démarrer mon port sur le port 80. Ça va, le port 80. Ensuite, maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On allait dans un navigateur, on a pris l'adresse IP de notre master. Ça va? Bon, chez moi, si c'est localhost, hein? C'est localhost. Et deux points, on a pris maintenant le port. Ce port-là, c'est tous ceux qui quittent, tous ceux qui sont externes au node-là. Si vous voulez communiquer avec un port via le service, automatiquement, c'est ce port-là qu'il faut utiliser. Le port 80 qui est là, c'est le port du même node. Voilà. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà, c'est un peu ça en fait. Donc, ici maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je repars encore. Vous avez vu que j'ai tapé localhost. Ça va? L'adresse IP de mon master. Et comme je suis en local, c'est localhost. Ça va? Et ici, j'ai 30516. Le port qui est ici. Et automatiquement, on voit un indexeur qui s'affiche. Donc là, vous voyez que notre pod a démarré. Donc, pour ceux qui aimeraient. Sur Docker, je peux taper Docker image. Vous voyez, quand il tape Docker image, vous voyez toutes les images qui sont là, qui sont démarrées. Si il tape Docker PS, Docker PS, voilà, vous voyez tous les conteneurs qui ont démarré actuellement. N'oubliez pas que Kubernetes vient avec tous ces éléments. Hein. Voilà, ça va. Si on cherche bien, on va avoir un conteneur qui s'appelle NGX, voilà. Voilà. Ouais. Ça, c'est notre conteneur que nous, on a créé. Il a démarré depuis 8 minutes, en fait. Voilà. Donc, là, on vient de créer notre premier pod, en fait. Ça va? Mais n'oubliez pas, il y a quelque chose qui est intéressant avec Kubernetes, c'est que il y a ce qu'on appelle l'autoscalabilité, en fait. C'est-à-dire que quoi? Je vais dire, bon, ça, c'est pas l'autoscalabilité, mais moi, je peux dire NGX, par exemple, le même serveur NGX, là. Il faut créer 2, 3, 4 instances en même temps. Donc, je peux avoir 5 serveurs NGX qui tournent, qui ont un seul point d'entrée avec le service, parce que n'oubliez pas que le service, là, lorsqu'un utilisateur tape une requête qui demande les ressources du serveur NGX, c'est le service qui gère un système de load balancing. Et automatiquement, il va envoyer la requête vers le serveur qui va avec. Donc, dans la journée, elle peut démarrer 10 serveurs NGX. Mon système, le système le gère. Le soir, c'est à partir du monde, là, il y a un seul serveur, mais il n'y a plus de serveur NGX. Mais mon service gère en même temps un système de load balancing. Se voit un peu. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va essayer de créer encore d'autres pods. Mais cette fois-ci, on va dire Kubernetes, par exemple, on peut lui dire, par exemple, de créer, par exemple, deux nouveaux serveurs NGX dans notre node là déjà. Ça va? Dans notre pod. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, pour pouvoir différencier les trois serveurs là, on va utiliser cette commande là. Pour mettre un message à la page d'accueil. Ce qu'on veut, c'est qu'on veut serveur 1, serveur 2, serveur 3. Et le test qu'on va faire, c'est qu'à partir de l'URL là, on va taper une commande, taper localhost 2.2. le port qu'on a vu ensemble. Et vous allez voir que à chaque fois qu'on va essayer de rafraîchir, vous allez voir que cette même adresse IP là va conduire sur le serveur 1, le serveur 2 et le serveur 3. Donc on suppose que notre site, dans notre pod, on a trois serveurs NGX sur lesquels notre site internet tourne. À chaque fois qu'on fait des demandes, qu'on fait des requêtes pour solliciter le serveur NGX, vous allez voir que automatiquement le site va nous router vers le serveur qui est disponible à nous répondre, en fait. Ça va? Donc ici, je vais effacer ça. C'est pas ici, je vais mettre. Ça, c'est pour aller sur le serveur. Voilà. OK. Donc cette commande-là, c'est pour modifier un peu la paille d'accueil de notre serveur. Voilà. Là, j'ai mis serveur 1. Ça va? Donc, ça, c'est le serveur 1 qui est là. Tout le monde est d'accord. Ensuite, maintenant, nous allons maintenant créer maintenant notre système de replica. Le système de scalabilité, de scaling. Parce que le scaling, c'est quoi? Création d'une même instance de service pour supporter la charge. Donc, le matin, j'ai 1000 utilisateurs. Ça, c'est un exemple. Mais 1000 utilisateurs, là, moi, seul serveur 1 qui s'arrive à les supporter. Vers midi, j'ai 10 000 utilisateurs. Automatiquement, Kubernetes, qu'est-ce qu'il fait? Il va me créer encore 2 ou 3 serveurs. Pour le moment, comme ça, des tests, c'est nous, on les crée. Sinon, on a Kubernetes, c'est ce qu'on appelle de l'autoscaling. Il va virtualiser plusieurs instances NGX pour pouvoir supporter la charge.
Et le soir, s'il n'y a plus personne, automatiquement, on va me lancer un seul serveur, en fait. Ça va? Donc, ici, vous entraînez, en fait, comme c'est des bases. Donc, pour créer, comment dirais-je, un replica, c'est-à-dire la même instance, on va la créer deux fois. On tape la commande kubectl scale, deployment slash index, c'est-à-dire que le nom de votre déploiement, si c'est index qu'on a pris, moins replica 2. Donc là, j'avais deux nouveaux serveurs index. Donc, je viens. Excusez-moi, il faudrait qu'il sorte d'abord sur... Là, je suis sur le serveur, n'oubliez pas, hein. ça prend souvent quand... Voilà, je reviens là. Automatiquement, vous allez voir que il y a deux serveurs qui ont été créés. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais taper la commande kubectl get pod. Vous voyez? Bon, j'ai demandé deux. Ça va? Ben, pour le moment, comme il n'y a pas trop d'éléments qui sont demandés, vous avez qu'actuellement, c'est deux, c'est les deux éléments qui l'a démarré. Non, c'est le dernier élément qui l'a démarré. Parce que n'oubliez pas que le premier, on va chercher le nom du premier rapidement. Il est quelque part ici, qu'on avait tapé la commande pour avoir le nom. Attendez, enfin, kubectl. En fait, ici, c'est quoi? Je veux qu'on localise notre premier serveur index qu'on a créé, en fait. Get pods. Non. Là, il ne peut pas le voir, excusez-moi. Bon, OK, je ne retrouve pas le nom, mais c'est quelque part ici, on avait tapé la commande. Normalement, on doit pouvoir le retrouver quelque part. Il y a tellement d'éléments. Bon, ce n'est pas grave. Mais ce qu'on constate, c'est qu'on a un nouveau serveur index qui est là, en fait. Ça va? Donc, voilà. Vous voyez ici, on a 13 secondes. Donc, celui-là, c'est l'ancien. Dieu merci, le temps est là. Il tourne. Ça, c'est le premier qu'on a créé depuis 12 minutes. Et celui-là, on lui a demandé, par exemple, de nous créer deux nouveaux serveurs. Ça va? Mais pour le moment, il a démarré un seul serveur index, un nouveau serveur index. Ça va? Alors, donc, oui? S'il te plaît, désolé de t'interrompre. Tu peux regarder de temps en temps dans la discussion? Parce que je pense que... Ah, OK. Ah, OK. Désolé. Attends, je regarde. En bas, dans converser. Il y a des messages? Oui, il y a des messages. Mais tu peux essayer de répondre en même temps, mais je pense qu'il y a certaines commandes qui te sont indiquées aussi pour pouvoir... Merci. Bon, là, après, j'ai fini rapidement cette partie, et puis je reviens pour répondre. Hein. Donc aujourd'hui, voilà, on va faire cette première partie. Et puis, de toute manière, c'est long, donc on va le faire en plusieurs sessions. On n'a pas le choix. OK. Donc, rapidement, je lui ai demandé de me créer deux réplicas. Donc, normalement, on doit avoir trois serveurs. Il a démarré le deuxième. Le voilà depuis 13 secondes. Donc, qu'est-ce que je peux faire? On va essayer de se connecter en ligne de commande sur ce serveur-là. Donc, ici, je prends le name. Je viens ici. Voilà. Je vais me connecter à mon serveur en ligne de commande, en fait. Vous pouvez le faire avec... Donc, voilà. Et là, on va utiliser notre commande là. En fait, on va mettre un message d'accueil, en fait, pour différencier un peu. Je dis serveur 1, serveur 2. Donc, ici, par exemple, je lui demande de m'afficher le nom serveur 2. OK. Donc, je sors. Exit. Voilà. OK. Donc, là, par exemple, on vient de faire notre premier scaling. Donc, ici, la commande kubectl, ce que je disais tout à l'heure, elle nous permet de voir, vous voyez ici, c'est le nombre d'instances qui tournent actuellement, qui sont en cours. Vous voyez qu'on a deux serveurs index. Donc, logiquement, quand je viens ici, ouais, ça a changé, non? Vous voyez qu'avec la même adresse IP, là, vous voyez, il a changé. Hein? Tantôt, je viens sur le serveur 2, parce que là, normalement, il y a des outils qui nous permettent de pouvoir pinger le serveur, envoyer beaucoup de requêtes pour voir vraiment s'il supporte. Oui, tu viens chez 1. Tu vas essayer d'actualiser plusieurs fois. Combien souvent tu y reviens? J'essaie quand même de le saturer. Vous allez voir que la même adresse IP l'a conduit sur le serveur 2. Donc là, par exemple, vous voyez que automatiquement, on a un système de load balancing, en fait. Donc voilà, on a deux pods qui tournent. On a un service qui tourne. Automatiquement, notre service, j'ai un système de load balancing qui redirige la requête vers les différents serveurs, en fait. Voilà. OK. Donc, Noélie, pour les questions, attends. OK. Donc, déjà, merci pour la présentation. Très, très belle présentation. Comme tu l'as dit, on ne peut pas épuiser le sujet en une heure. Voilà. Donc, on va passer aux séries de questions. Je ne sais pas si de ton côté, au niveau des fils de discussion, tu vois déjà les messages affichés.
Ok, attends. Ben, avant de répondre, il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que on est obligé de continuer parce que là, ce sont les bases, les prises en main du NGINX, de Kubernetes. Parce que la partie la plus importante, après, quand on va continuer, on va voir comment déclarer ses ressources avec les fichiers YAML, ça va. Et ensuite, maintenant, comment utiliser Kubernetes dans les différents clouds. Nous, on va choisir Amazon. Et ça va. Et il y a un TP complet, en fait. C'est-à-dire qu'on prend un site, par exemple, en WordPress, ou bien une application Java, ou bien une application tout sur Laravel, et comment on met en place tout un système de déploiement avec quoi, Amazon. Je pense que ça, on va l'attaquer mercredi prochain. Et l'autre mercredi, maintenant, on va attaquer NGINX. Voilà. Allons pour les questions maintenant. OK. Ok, parfait. Donc, pour ceux qui ont posé des questions, vous avez la possibilité aussi d'ouvrir votre micro, de la poser directement, ou bien lever la main pour qu'on active si vous n'arrivez pas à activer le micro. Ou ceux aussi qui sont sur Facebook, n'hésitez pas à poser des questions. On va retransmettre les questions à fond et puis pourra répondre. Donc, déjà. Tu as des questions là-bas? Parce que moi, je ne les vois pas ici. Hein? Oui, certainement, comme tu as. Tu avais quitté la session à un moment et que tu as revenu. Les OK. questions. Allons-y. Donc, la première question que je vois ici, elle est de Pablo E. Fading serveur est-il pareil en mode développement? Demande si le staging serveur est pareil en mode développement. Amoda? Développement. En mode développement. En fait, le staging là, en fait, c'est quoi? C'est que on a une version bêta de notre application. Ça va? On veut qu'elle tourne parce que après le staging, on passe maintenant à l'étape de production, en fait. Donc pour le staging, par exemple, on peut juste, comme je disais tout à l'heure, pour le staging, par exemple, on peut avoir un environnement dans le cloud pour faire nos tests avec une URL bien pissée, en fait. Mais tout va dépendre maintenant de notre politique de déploiement. Ça va? En termes de développement, il y a plusieurs méthodes agiles en termes de déploiement. Voilà. Je pense qu'il y a le Darkness Deployment qui est utilisé par Google, par Facebook. C'est-à-dire que quoi? Eux, là. Vous voyez que l'URL de Facebook a changé. Vous voyez web.facebook.com. Avant, c'était facebook.com. Donc, je peux avoir web2.facebook.com. Je teste mes nouveaux services là-bas. C'est mon staging. Je fais mes tests. Je peux demander à 500 personnes, 500 000 personnes, bien, aux employés de Facebook d'utiliser cette partie-là. Avec l'URL web1.facebook.com. Quand on est sûr que, au niveau du staging, que notre application tourne bien et qu'il n'y a pas d'erreur, qu'elle répond à notre vision, automatiquement, on fait une migration. C'est-à-dire qu'on route tous les utilisateurs vers la nouvelle version qui a été testée en stage, en fait. Donc, ça va faire l'idée de la deuxième partie aussi de notre workshop, en fait. Voilà. Parce que le plus dur, il faut bien comprendre comment migrer du stage à la production, en fait. C'est sûr qu'en production, on a plus de serveurs, on a plus de cloud, mais tout va dépendre de notre politique. Le stage, là, on peut l'utiliser en environnement réel pour faire nos tests. Quand c'est bon, on le passe en production, on route les gens là-dessus. Comme moi, je peux prendre un petit serveur, mon cloud, ou bien un petit serveur local, faire mes tests. Quand c'est bon, automatiquement, je push et puis voilà, le système, je crée une image et cette image-là, je la récupère maintenant au niveau du déploiement, en fait. Donc, à ce niveau-là, déjà, je pense qu'on va bien parler dans les prochaines sessions. Voilà. Ok, donc il y a une seconde question de Bongoade, si je prononce bien. Il demande en tant que développeur mobile, comment est-ce que cela peut aider? Cela peut Oui. Oui, en tant que développeur mobile, n'oubliez pas que je t'en parle de microservices, les API. N'oubliez pas. Donc, tous ces API, ces microservices-là, on peut les mettre tous dans des conteneurs. Voilà. Et au niveau de l'orchestrateur et autres, on va trouver un système pour que tous ces éléments-là arrivent à communiquer. Donc, aujourd'hui même, quand on parle de mobile, quand on parle de microservices, je pense que les orchestrateurs Kubernetes est mieux adapté. Bon, pas bien mieux adapté, mais franchement, comme je l'aime. Mais je pense que c'est adapté à ça. Voilà. Il faut travailler dans ce sens-là déjà. Il faut travailler en microservices aujourd'hui. Même si c'est des API, des différents API, tu peux les mettre dans des conteneurs. Voilà. Et ton système peut les gérer de manière automatique, peut les scaler, peut les... En fait, tu es libre de faire ce que tu veux, en fait. Mais de sûr que ton application tourne 24 heures sur 24 heures. Donc aujourd'hui, pensez conteneur, pensez microservice. Si aujourd'hui, on veut faire des big data, on veut faire de l'intelligence artificielle, on veut faire vraiment avoir, par exemple, si Abidjan doit devenir une ville intelligente, imaginez-vous le nombre de données qu'on doit gérer, en fait. Si ces données-là ne sont pas gérées dans des conteneurs, ça sera très, très compliqué. Donc, je prends un exemple. Si Abidjan est devenu une smart city et qu'on a des données, des milliards de données qu'on gère dans la journée, vous allez voir que dans la journée, nous allons faire quoi? Nous allons essayer de créer des milliers de conteneurs pour pouvoir gérer tous ces services-là déjà. À des heures de pic, on va créer un conteneur. À des heures où il n'y a pas de pic,
On détruit les autres conteneurs, on laisse des conteneurs pour que le service tourne 24 heures sur 24 heures. Donc, quand on soit de big data, quand on parle d'intelligence artificielle, quand on parle de mobile, aujourd'hui, le DevOps, avec tout ce qui est politique de conteneurisation, je pense qu'aujourd'hui, on doit pencher, on doit aller vers là, en fait. On laisse tomber les applications monolithiques. Si on veut faire des applications à haut trafic, comme Facebook, 2 milliards, 4 milliards d'utilisateurs, les gars, Kubernetes, Docker, voilà, c'est mieux adapté pour nous. OK. Benoît, c'est bon. Oui, il y a deux autres courants encore. Mm-hmm. Il y a Djegba Kokora qui demande quelle est la différence entre Docker et Kubernetes. Donc, selon lui, il y a deux grands groupes, les Kubernetisme et Dockerisation. Et tout, voilà. Oui, en fait, au niveau de Docker, Docker a son orchestrateur qui est Docker soi-même, il ne faut pas oublier. Mais Kubernetes n'est rien sans Docker. Les deux vont ensemble, en fait. Ça va? Mais pourquoi les gens sont plus axés sur Docker? Parce que c'est Google, ça fait ses preuves. Imagine tous les services qui tournent sur Google chaque jour-là. C'est sur des conteneurs, en fait. Ça va? C'est sur des conteneurs. N'oublie pas que Google même a son service qu'on appelle le GKE, Google Kubernetes Engine. Voilà, puisque c'est Google qui a fait, en fait. Donc, n'oublie pas, quand c'est Google, c'est sûr. C'est comme Flutter aujourd'hui, tout le monde. Comme Flutter, c'est Google, tout le monde est sur Flutter. Mais ça fait ses preuves. Un, il y a une forte communauté. Et de deux, on ne peut pas parler de Kubernetes sans parler de Docker. Les deux vont ensemble. La preuve en est que quand je travaillais, j'ai tapé des commandes Docker. J'ai tapé des commandes Docker. Et même dans Docker, même, vous avez vu que Docker même là, il y a Kubernetes qui est intégré même dans Docker. Donc, ils vont de pair, ils vont ensemble. Voilà, ils vont ensemble. Mais c'est au niveau de l'orchestrateur. Les gens sont plus pour Kubernetes parce qu'il y a une forte communauté, c'est Google, ça fait ses preuves, c'est light. Et puis, il y a beaucoup de plugins, en fait. Il y a beaucoup d'éléments qu'on peut ajouter. Vous allez voir, quand on va voir Jenkins, là, vous allez voir les merveilles qu'on peut faire avec Jenkins et Kubernetes en termes de déploiement, en fait. C'est qu'aujourd'hui, là, si on doit créer une application qui supporte 1 milliard de personnes, on n'a même plus peur. Kubernetes, Docker, j'ai l'affaire, en fait. Merci beaucoup. OK. Je pense qu'on va prendre la question de Soro qui lève la main de Soro Ismaël. C'est tout. Alors, ma question. Oui, Ismaël. Allô, vous m'entendez? Oui, oui, oui. OK, ma question est la suivante. Bon, vous avez parlé surtout de déploiement dans le cloud. J'aimerais savoir, est-ce que cela... à une quelconque le Kubernetes, à une quelconque application ou des serveurs qui sont locaux. OK. Si on a une infrastructure locale. OK. Tu peux déployer Kubernetes en local. Hmm? Tu peux le déployer en local chez toi. Non, ça va dépendre. C'est-à-dire que quoi, si par exemple, toi, tu n'as pas besoin d'un cloud public, tu peux avoir un cloud privé pour toi-même. Ça va? Donc, tu prends un serveur, par exemple, ou par exemple, tu installes, par exemple, OpenShift, ça va, le Red Hat, oui. Et là-dessus, maintenant, tu installes maintenant Kubernetes, en fait. Mais quand tu as installé Kubernetes, il faut forcément installer Docker. Non, ça va dépendre maintenant de ce que tu veux faire. Par exemple, en local, tu peux faire des tests pour voir comment ton application peut se comporter. Tu peux faire des tests pour voir s'il y a des montées en charge, comment l'application peut se comporter. Donc, tu peux faire des tests en local. Donc, Kubernetes, on peut l'installer en local sur un ordinateur, comme sur un serveur pour faire des tests. Même en fait, pour travailler, même en intranet, tu peux l'utiliser en intranet, en fait. Voilà. Pas de problème. Puisqu'il y a un service DNS. Il y a un service DNS qui va te permettre de pouvoir pointer maintenant tes ressources vers les différents éléments que tu recherches, en fait. Voilà. Donc, tu peux l'utiliser en local. Si un serveur, ça ne pose pas de problème. Voilà. L'idée, c'est que quoi? Comme on veut être visible sur Internet, quand on veut déployer des services sur Internet, c'est pour ça qu'on se penche vers des providers de cloud public, tel que Amazon, Google, IBM et autres. Ça va? Parce que là-bas, ils ont toute l'infrastructure, ils ont tout le cloud, tu ne peux pas s'emmerder en termes d'électricité, en termes de sécurité de nos serveurs, on ne s'occupe plus de ça. Tout ce qu'on a à faire là, à la fin du mois, on paye les ressources qu'on consomme. Moi, j'utilise beaucoup Amazon, en fait. Toutes mes plateformes sont sur Amazon. Ils ont des services, ils ont des plateformes intelligentes qui gèrent tout pour toi, qui gèrent, tu n'as même pas besoin de fatiguer, ils font tout le boulot pour toi. Mais sauf que ta facture sera salée à la fin du mois. Voilà. C'est un peu ça, en fait. D'accord. Ouais, c'est clair. Avec Amazon, c'est pas du game.
Je pense qu'il y a aussi une question. Il y a toujours Jeba Kokora qui demande, en tant que développeur web, lui, il utilise CloudFoundry de IBM pour faire ses déploiements, donc Oui. avec une commande Git. Est-ce qu'il aurait un avantage d'utiliser Kubernetes? En fait, l'avantage de Kubernetes, c'est qu'il s'intègre facilement à Google, Google Cloud. Vous savez que Google a son service de cloud, c'est Google Cloud en fait, ça va. Et Google Cloud a un autre service qu'on appelle le GKE, Google Kubernetes Engine, qui est le service par excellence de Google pour pouvoir utiliser Kubernetes et gérer tous ces conteneurs en fait. Vous comprenez? Et c'est Google. Aujourd'hui, là, ils ont fait les preuves. Quand on entend qu'un produit est géré par Google, automatiquement, tout le monde là-bas, il y a une forte communauté. Donc, s'il y a une forte communauté, ça veut dire que la documentation est partout. Si demain tu es bloqué, tu peux avoir une solution quelque part. Tu peux trouver plusieurs spécialistes qui utilisent Kubernetes, en fait. Même, j'étais pour information, tellement Kubernetes a du succès aujourd'hui, OVH même a créé un service Kubernetes, en fait, Public OVH Cloud, dans lequel ils ont intégré Kubernetes, en fait. Voilà. Donc, il y a une forte communauté. Tu as la chance de trouver plusieurs opérateurs cloud qui utilisent Kubernetes. Et puis voilà, c'est Google. Donc, on n'a pas le choix. Voilà. Il y a toute une question de concept, ça dépend. Il y a d'autres solutions, mais je pense que voilà, Kubernetes est très bien. Moi, par exemple, chez Amazon, Kubernetes, c'est bien géré chez Amazon, je t'assure. On va le voir dans les autres sessions. On pense qu'on va faire une session spéciale sur Amazon. Je pense que c'est la prochaine étape. Comment utiliser Kubernetes chez Amazon? Vous allez voir l'intelligence, les outils qui sont derrière, depuis son code JIT jusqu'à ses tests au stage et en production. Vous allez voir que tout est simple. Aujourd'hui, là, on n'a plus peur de se fatiguer. On n'a plus peur de développer des applications à haut trafic. Tout est géré de manière automatique. Mais comme je le dis, la facture sera salée. Voilà. Oui, j'aime bien le concept de facture salaire. OK, il y a une question, je vais prendre les questions sur Facebook rapidement. Il Oui. y a une question pour l'instant. Il y a Kamel qui demande, que penses-tu du cloud Heroku pour le DevOps? Oui, bon, c'est ils intègrent, mais Heroku, ça va, mais moi, je trouve que, bon, c'est ça, moi, en termes de leader, moi, je vois Google, en termes de leader, moi, je vois Amazon, je vois aussi peut-être Oracle, tu vois, Heroku, ça va, tu peux l'utiliser, j'ai pas, j'ai jamais utilisé Heroku, hein, mais c'est qu'ils ont un système de cloud sur lequel, parce que les conteneurs, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut les déployer sur tout ce qui est cloud public, en fait, voilà. Je n'ai jamais utilisé Heroku, mais dans mes recherches, je vois que souvent pour des petits projets, même pour des projets, les gens l'utilisent. Mais quand tu vas sur le site de Kubernetes, Yahoo utilise, le New York Times utilise, Yahoo Japon utilise, le New York Times utilise, le New York Times, c'est pas, mais c'est plus de 5-10 millions de visiteurs par jour. Il y a des géants qui utilisent Kubernetes, en fait. Donc, moi, je me dis, si demain, on veut. Aujourd'hui, on n'a pas de limite. On peut encore dire, ouais, faire une application qui peut être utilisée partout dans le monde entier. Il y a rien. En fait, ce qui est plus vexant dans la vie, c'est quoi? Ce qui est frustrant, tu as pris ton temps pour coder ton application et le jour où il est en ligne, là, tu as 10 000 visiteurs, le site bug. Il n'y a rien de plus frustrant que ça, en fait. C'est-à-dire que tu as ta voiture, mais tu ne peux pas conduire. Donc, quand c'est des projets de high level, de haut niveau, c'est intéressant d'aller vers ces providers-là, Amazon et Google. Ils ont fait les preuves. Le support est là. Il y a des leaders qui l'utilisent, ça marche très bien. Je pense que sur cette base-là, tu t'en vas. Maintenant, si c'est des petits projets, je pense que tu peux aller sur Heroku. Il y a Digital Ocean aussi qui est pas mal. Ils sont moins chers. Aussi, ils sont dans de gros projets aussi. Voilà, tu peux te pencher vers là. Voilà. OK, joli. Donc, moi, il y a Aristide qui veut poser une question. Oui, allons-y. Aristide, tu veux parler dans le fond de... Allô, Aristide, si tu entends, tu peux poser ta question. Vous m'entendez? Oui, on t'entend, oui. OK. Bonsoir d'abord à tous. Je dis merci à mon ancien professeur qui est toujours mon patron. Voilà. Comment tu vas? Ouais, je vais bien. Bon, en Merci. fait, je trouve ce sujet très intéressant parce que, au fait, ici, ce sont ces genres de systèmes qu'on utilise pour déployer de grosses applications, de très, très grosses applications, à travers avec on a de très gros marchés. Mais moi, en fait, la question que je me pose, j'ai l'impression que vous tournez beaucoup au niveau du PHP. Est-ce que vous avez essayé de déployer des applications qui tournent sur Swagger, je ne sais pas, Swagger, Angular,
ces genres d'applications sous Kubernetes. Et ce qui est intéressant aussi, j'aimerais savoir comment le Scala il fonctionne bien, comment il fonctionne. Parce que sous Mac, on arrive à faire les tests rapides, mais quand on arrive sur Ubuntu, nous sommes tout le temps confrontés à la gestion des ports. Parce que là, j'ai vu facilement, vous avez réussi à gérer le port 80. Mais lorsque nous, par exemple, on veut prendre des applications, des codes sur GitLab, et qu'on veut les intégrer directement, les ports sont bloqués. Donc, comment vous arrivez à gérer le port 80-80? Parce que souvent, le port 80, il est refusé par défaut. Donc, comment okay. vous comprenez cela? Ça, c'est la première question. La deuxième question aussi, c'est de savoir, par exemple, du local, comme vous l'avez dit, du local, comment aller directement sur une vraie plateforme? Parce que souvent, de Kubernetes, on va directement à Google, ou bien on va directement à Amazon. Mais comment vous gérez ça? OK. Ça. Merci beaucoup. Okay. Bon, pour la première question, en fait, j'ai pris l'exemple sur le PHP, puisque c'est un langage qui a beaucoup utilisé par plusieurs personnes. Sinon, dans le prochain workshop, c'est une application qui tourne en mine, c'est-à-dire que Mongo, Node.js, Express et autres, en fait. Voilà. Donc, pour le prochain workshop, c'est une application qui tourne en JS qu'on va héberger sur Amazon Web Services, en fait, avec Kubernetes, en fait. Voilà. Maintenant, au niveau des ports, au fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu es en local, c'est-à-dire que quoi, quand tu es dans ton cluster, tu as des nodes. Et on a dit quoi? Que dans le node, on a des ports. Et qu'il y a un élément dans Kubernetes qui me permet à tous ces éléments de communiquer en interne comme en externe, qui est le service, au fait. Donc, quand tu fais la commande kubectl, lui de service, tu mets ton service, automatiquement, il va générer deux types de ports. Ça va? Si je reviens ici, attends, je t'appelle la commande rapidement. Kubectl get service, tu vois ici par exemple, il met le port 80. Le port 80 qui est là, c'est le port qui permet aux pods du même node de communiquer ensemble. Maintenant, si tu as un externe de ces pods là que tu veux communiquer avec le serveur NGX, il génère toujours des ports. J'ai pas trop la plage en tête, mais tu vas voir qu'à chaque fois que tu crées un service là, il va générer un type de ce port là déjà. Donc ce port là, c'est ça que tu utilises en fait. Tu prends l'adresse IP du master. Comme si c'est localhost, et tu pointes sur ce port-là. C'est avec ce port-là que tu peux avoir accès à ton service, en fait. Maintenant, si c'est un service qui doit vivre par le DNS, alors qu'il y a un autre service encore dans Kubernetes qu'on appelle Ingress, en fait. Là-bas encore, qui me permet de faire de pointer mon, de faire toutes sortes de configurations pour le DNS, mettre les ressources sur mes DNS, mettre l'adresse IP qu'il faut, tout ce qu'il faut, en fait. Mais pour le moment, comme on est en local, c'est pour ça qu'on n'a pas utilisé ce service-là déjà. Mais si tu es en local, que tu as un serveur qui est démarré, que tu veux l'indexer, tu prends l'adresse IP de ton master, généralement, c'est par défaut, c'est localhost, ça va, et tu viens, tu prends les deux points-là qui sont là avec le port qu'il a généré par derrière. Ça, c'est vu, un service vu à l'externe. Maintenant, quand tu as un interne, les différents ports doivent utiliser le port 80. Voilà, je pense que c'est là. Maintenant, ta dernière question, c'est que quand on quitte du local en production, du local, j'ai mon éditeur avec Git. Je vais aller sur GitHub, il y a mes différentes branches en fait. GitHub va maintenant communiquer avec un logiciel d'intégration continue, de déploiement continu qui est Jenkins. Parce que l'idée c'est quoi? À chaque fois qu'il fait un push et que sur la branche normale on fait un pull, automatiquement on dit à Jenkins, on va définir nos différents pipelines. Quand le gars a pushé son code là, après il y a eu un pull, automatiquement on essaie de faire un test. Si le code est bon, automatiquement on va demander à Jenkins de créer une image de l'application. Cette image de l'application-là, on va demander à Jenkins de la stocker sur un hub. Ça peut être Docker Hub, ça peut être le service hub d'Amazon ECS, ça peut être tout service cloud d'image, au fait. Ça va? Et cette image-là, maintenant, là, on va maintenant mettre en place une politique en place et dire à Jenkins, maintenant, que cette image-là, à partir d'un fichier YAML dans lequel on va déclarer tous nos ressources pour le déploiement, on récupère ce fichier-là et automatiquement, tu vas voir que Kubernetes va créer des Docker, des conteneurs qui vont le charger l'image qui a été stockée, qui a été déclenchée depuis le Git de mon ordinateur jusqu'au serveur. On récupère cette image et cette image démarre avec le conteneur qu'on voit en production. Donc, en local, c'est ça. En fait, c'est l'idée de la prochaine étape. En fait, j'ai mon code dans le local, je fais un Git, le système va sur mon GitHub. Automatiquement, on essaie de vérifier tout. On essaie de merger tous les éléments. Et à partir de là, maintenant, ce qu'on appelle un trigger. Le trigger, c'est quoi? L'élément déclencheur. L'élément déclencheur, ça sera le git
Le push que le gars va faire en local sur son ordinateur, en fait. Tu comprends? Une fois qu'il a fait le pull, automatiquement, l'élément va sur la branche master. C'est déconseillé, mais directement sur la branche master, automatiquement, vous allez voir qu'on déclenche Jenkins. Automatiquement, Jenkins, qu'est-ce qu'il va faire? Il va récupérer le code, il va le tester, il va créer une image. Cette image va être stockée sur Hub. Automatiquement, sur Hub, là, maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? Kubernetes, maintenant, va récupérer. Vous allez voir que dans notre code, là, de développement, on a toujours un fichier qu'on appelle Dockerfile et on a toujours un fichier qu'on appelle. On va les créer deployment.yaml. Et on va dire à Jenkins, par exemple, si tu veux créer des conteneurs avec Kubernetes, ce fichier YAML qu'on a déclaré, soit en local là, il faut tuer ce fichier-là pour, comment dirais-je, créer toutes les ressources qu'on a déclarées. En fait, c'est l'idée de la prochaine session. Parce que si vous ne comprenez pas bien cette étape-là déjà, comment faire des déclaratifs avec le YAML au niveau de ces ressources avec Kubernetes, ça sera très compliqué en fait. Donc, c'est l'idée de la prochaine session. Vous allez voir qu'en local, on tombe sur GitHub, Jenkins met en place une stratégie de CI/CD et automatiquement on dit à Kubernetes, voilà, occupez mon fichier là, YAML là, elle est dedans, il y a toute ma politique de commande et déploiement, tu occupes les éléments et tu les déploies. Voilà. Il y a des fonctionnalités qu'on va aussi activer, auto-scaler, pour que Kubernetes puisse gérer l'infrastructure de manière automatique en fait. Donc ça c'est la prochaine session. Comme j'ai dit, peut-être Noli, peut-être qu'on va le faire peut-être sur 2, 3, 4 mercredis, parce que c'est un sujet qui est d'actualité et j'aimerais qu'on fasse un cas pratique réel pour que les gens comprennent réellement comment on containerise une application, comment on crée une image, comment on stocke cette image quelque part et cette image-là, comment on la récupère pour pouvoir démarrer avec un conteneur sur Kubernetes. Voilà, c'est un peu ça. Merci beaucoup, mon professeur. Merci beaucoup. OK. Moi, je pense que si quelqu'un a une autre question, c'est l'occasion de poser avant qu'on ne clôture. J'ai une question pour Franck, c'est à Boukone. Oui. Franck, très belle présentation. C'est quelque chose, Kubernetes, c'est quelque chose que je suis, que j'ai utilisé avant. Et bon, tu as touché tous les points essentiels et je pense d'une manière assez abordable pour tous ceux qui ne sont pas familiers avec. J'aimerais que tu fasses en fait plus pour ma gouverneur un retour d'expérience sur un problème que j'ai noté avec Kubernetes, c'est en fait le déploiement d'applications. C'est que tu as, comme tu l'as dit, Kubernetes ça marche bien, ça permet de scaler rapidement et ça permet en fait d'architecter son application comme des systèmes distribués en fait. Entre tes différents API et tout. Et une des difficultés des systèmes du fournisseur, en fait, c'est l'observabilité, la communication entre les différents services. Donc, de ton expérience, en général, comment est-ce que tu gères l'observabilité dans ce qui se passe, les communications entre les différents services, quand il y a des bugs en production et tout, et que tu veux pouvoir faire ton enquête pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché, en fait. En fait, ce qui est bien dans Kubernetes, c'est qu'il a un outil de... il a une interface web qui te permet en fait d'avoir une idée de tous tes logs, de toutes tes métriques, de tout ce qui ne fonctionne pas sur la plateforme en fait. Donc, okay. C'est pour ça que ces outils de monitoring là sont vraiment très importants. À partir de ces outils là, on sait c'est quoi le problème en fait et puis on sait comment le résoudre. Okay. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à un certain niveau avancé, quand on a bien compris le concept, qu'on a bien monté son système de déploiement dans le fichier YAML, le système arrive à gérer toutes ces réparations de manière automatique en fait. Donc, c'est pour ça qu'il fait beaucoup de monitoring. Il a plein d'outils qui te permettent vraiment de voir les logs, de voir ce qui déconne, qu'est-ce qui ne va pas et comment résoudre ces problèmes-là déjà. OK. Parce que il a plein d'outils. Il y a encore même des outils qui arrivent. Hein. Il y a des mises à jour qui arrivent. Qui vraiment, mais ici, l'objet, au niveau de l'observabilité, c'est que les gens, ils déploient, mais ils ne prennent pas le temps de monitorer un peu les plateformes. Exactement. Les métriques, les logs, voilà. Les gens ne prennent pas le temps de gérer tous ces aspects-là. Normalement, les gens sont encore dans la vieille école. Hein. Ils sont encore dans les applications monolithiques, non, ce n'est pas de leur faute. Mais avec les factures salées qu'il y a à la fin du mois, là, ce n'est pas à tort. Hein. Ah, ici, le problème, c'est qu'on ne peut pas avoir des data centers ici. Tu vas mettre un data center ici, là, demain, il y a un bonbon, là, ils vont les casser. Vous voulez des pauvres serveurs, on a des problèmes d'électricité, c'est compliqué. Souvent, c'est compliqué. Ouais, ça, c'est compliqué quand même. Mais en tout cas, belle présentation, ça c'est. Je vais me connecter en tout cas pour le reste. Le reste des présentations. Voilà, on continue. Parce que c'est un sujet qui est d'actualité. C'est très exactement. Important. Ouais, il n'y a pas d'autres questions ici. Bon,
Si, arrêtez là, non, bien, parce qu'on va continuer mercredi prochain. Ouais, si je suis Facebook déjà, il y a des personnes qui demandent, sinon il y a Jacques Amel qui demande, est-ce qu'il y a des formations sur AWS? Je leur dis très, très prochainement, parce que bientôt c'est le déconfinement, il faut qu'on passe à un autre niveau. Donc, pour l'instant, on est en train de débrouiller un peu les connaissances et ça va permettre justement, avec comme le grand frère vous connaît qui vient de poser la question, des J de code, Côte d'Ivoire, Impulse, tu vois, c'est ces grandes synergies qu'on veut mettre en place pour changer carrément l'écosystème existant, changer le mindset et puis passer à un autre level en fait, parce que la Côte d'Ivoire en a besoin. Ce n'est pas un pays à négliger. On a aussi une place de choix justement à prendre dans cette technologie-là. Donc, OK. Donc, le mercredi prochain. Donc, mercredi prochain, comme tu l'as dit, Franck, merci déjà, c'est une très belle présentation. Mercredi prochain, on fera Amazon. Amazon Web Services, comment utiliser Kubernetes sur Amazon, voilà, avec une application qui est sur GitHub. Voilà. Moi, pour terminer, je te demanderais justement de déjà planter le décor la semaine prochaine. Qu'est-ce que tu souhaiterais que les gens puissent déjà revoir pour qu'on puisse être sur les mêmes longueurs d'onde? Et okay. Qu'est-ce qu'on va installer s'il y a des éléments installés, bien entendu, et puis voilà un peu. OK. Donc, pour le mercredi prochain, par exemple, l'idée maintenant, c'est que pour cette première partie, on a vu le commande de base et on a essayé quand même de déployer Kubernetes en local. On a juste démarré un seul pod avec un conteneur Nginx. Prochainement, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut prendre une vraie application. On a fini de développer l'application. L'application a été containerisée, en fait. Cette application-là, comment la déployer dans un cloud public? Et moi, j'ai choisi Amazon, en fait. Voilà. Donc, pour la prochaine fois, il faudrait que vous créiez un compte sur Amazon. Donc, la prochaine fois, nous allons voir EC2, EKS, ECR, AWS, Fargate et le CloudFormation. Nous allons voir, c'est des outils d'Amazon qui nous permettent vraiment de pouvoir déployer des applications en haute disponibilité et de manière professionnelle. Voilà, ça, c'est pour le mercredi prochain. Donc, il faudrait que tout ce que je veux, c'est que créez-vous un compte sur Amazon. Il faut forcément avoir une carte Visa arrivant pour lever au moins 1000 francs. Et la semaine prochaine, nous allons utiliser les outils d'Amazon pour quelqu'un qui aimerait faire des déploiements avec Kubernetes, en fait. Voilà, je pense que pour le mercredi prochain, c'est tout. Maintenant, on a révisé un peu les commandes. Allez sur le site de Kubernetes, la documentation, les grandes, lisez, bouquinez. Je pense que voilà, ça va beaucoup vous aider, en fait. Vous aider. Voilà. Excusez-moi. Allô? Oui. J'aimerais savoir pourquoi, mais encore, je vois normalement, les universités devaient être subventionnées par ces grandes plateformes, de la façon de le faire ici. Par exemple, nous, chaque année, on a des comptes Amazon qu'on peut utiliser, tester pendant une année. Et puis après, l'université renouvelle. Mais pourquoi vous qui êtes beaucoup dans le domaine, je pense qu'il y a des grandes plateformes qui sont en partenariat avec vous, pourquoi ils ne vous donnent pas ces privilèges-là? Oui, mais en fait, ce qui est intéressant, bon, en fait, on n'a pas ça sur le partenariat ici, hein, mais moi, je pense que dans mes débuts, quand je suis à Amazon, quand tu es un nouveau inscrit, normalement, Amazon te donne, je pense, une année hein, avec des ressources pour pouvoir t'entraîner et puis faire une prise en main de la plateforme. C'est déjà intégré d'Amazon, en fait. Mais ici, on n'a pas de partenariat avec toutes ces plateformes. Mais par défaut, quand tu t'inscris pour la première fois sur Amazon, tu as des heures où tu peux utiliser des instances, tu peux t'entraîner sans être facturé. Voilà. À la fin du mois, tu payes 0 $. Voilà. D'accord. OK. Dans tous les cas, on est aussi ouvert à ce type de partenariat. Donc, si il y a possibilité de faciliter à ce niveau, n'hésitez surtout pas pour qu'on puisse voir ce qu'on peut faire justement pour faire grandir les choses. Donc, voilà. Donc, sur ce, moi, je vais vous dire merci d'être resté quand même un peu longtemps. Et puis, c'est nécessaire de le faire. Très prochainement, comme annonce officielle, je pense qu'on l'avait déjà dit la semaine dernière, on a l'application aussi de la journée du code qui est en train de se bâtir. Donc, vous pouvez aller voir déjà à quoi ça commence à ressembler plus ou moins sur Play Store. Donc, n'hésitez pas, on aurait un lancement officiel certainement d'ici la fin de la semaine pour expliquer quand même un peu la vision dans laquelle on est en train d'évoluer. Et ça va nous permettre justement, nous tous, de pouvoir peaufiner ce joyau-là et permettre en fait à tout le monde de bénéficier et faire passer à un autre niveau, comme Franck le disait, passer carrément à un autre niveau sur des projets, sur des initiatives. Donc, merci à tout le monde et puis bonne soirée à vous. Okay. Merci à tous nos partenaires. N'hésitez pas à nous approcher pour être des partenaires.
Donc, écrivez à la page Facebook Journée du Code, écrivez info@jdecodeci.com. Et puis, merci encore à Côte d'Ivoire, merci à tous nos partenaires. Merci. Ok. Bon, Franck. Allô? Ok, certainement que c'est bon. Je vais mettre en session maintenant.